On est là. J'ai battu Ganondorf. Oh là là. Ganondorf. Ganondorf. Bon, pour la peine, je vais tenter un petit truc. Oh la bile. Je me vois pas. Mais... le centre là, fait chier. Le centre du gardien, pas du tout. Ah, c'était ma banane. C'était le ma centre, Pajama Pavard. Ou Artemis, comment ça va? Banane. Ouais, si papa me cassait le prix un truc, c'était ma banane, c'était mes bananes du deuxième tour. Oh, j'ai pris la banane. Mais trop bien, je vous dépasse. Bah merci. En vrai, ça me fait plaisir. Oh, ça ressemble à rien. Fermez pas. Non, c'est parce que je sais que ça tombera pas. Tu sais, ça tombera pas plus sur le champignon. Mais bah ça tombe dessus. Là, ça a failli arriver. Ça a failli arriver sur toi. Des quais qui s'amusent avec. D'ailleurs. La belle gosse. On en parle quand même que le Mario Dor, quand même, il arrive à gagner alors qu'il a vécu. Tu vois ? Un peu, vous êtes plus dans le juste après que parler on patiente un peu, on finit la course, après on change, on peut pas la jouer. Ce que je voulais dire aussi, c'est du coup comme c'est trop grand, c'est pas entendu, mais à Félix, t'as un coucou de Kyo et t'as un coucou de Diablo. Tiens, prends. Ah ouais, j'ai pris. Oh, banane. Tant mieux. Tiens la bombe. Mange. Waouh, t'es mignonne, DK.
Merci. Ça a changé tout à l'heure. Hein. Ah, c'était moche en début. Hein. Oh, des cailles. Les petits effets. Putain, j'en ai marre. De alors jeu. Attends. Trop nul. Je vais devoir juste changer la scène, Artemis. Je suis premier. Ouais. Non. Voilà. C'est faux. Non, le chat. Psst, et on a dit quoi tout à l'heure? Le petit minou. Hein? Non, on a dit non. On a dit non, pas sur l'ordi. Sinon, tu t'envoles comme ça, là, comme un oiseau. Hein? Hein, le bébou? Un oiseau? Ou t'es pas un oiseau? Oh, les papouilles. Le petit chat. Il est bébou, le bébou. Pourquoi mon chat, il fait pas ça? Remy Moza. Ou qu'as-tu, le petit chat? Oh, oui, oh, le bébou de la... Ah, mon chat, il me fout des poils partout, sans forêt. Ouais, bon, après les poils, c'est vrai que c'est pas ce qu'il m'a... Oh, trop mignon. Mais ça encore, ça va. Le plus chiant, c'est que il miaule 50 fois dans l'heure. Mmh, on adore. On va la course derrière, moi. Tu vois. Donc du coup, Artemis, je disais, parce que peut-être que vous m'aviez pas entendu tout à l'heure, vous avez, t'as le coucou de Kyo et de Diablo. Et je crois que Geku aussi. Oui, j'ai dit coucou. Ah, Brigitte, yeah. Attends, non, on va faire autre chose. Artemis, peux-tu mettre le jeu? S'il te plaît. Ah, pas mal. Merci Artemis. Et car Artemis a le pouvoir de changer les scènes. Elle a le pouvoir de changer la vie. Normalement, il n'y a que Artemis qui a ce pouvoir. Pas mal au jeu, t'aimes bien? C'est un Christian Dior. Enfin, je crois. Il fait des rouges à lèvres, Christian Dior? Peut-être pas. Oui, ok, donc oui, c'était un Christian Dior. Merci, Kyo. Oh mon dieu. Ma femme dort, donc j'évite de faire beaucoup de bruit. Ah, d'accord, ça va. Chut. C'est tout noir. Et voilà, je conduis très très mal ce soir. Tu me jettes un petit peu. Ouais, j'aurais dû. Non. Parce que je suis pas une gilet jaune, moi, admirer mon pouvoir. Je sais pas si c'est une bonne idée si un jour t'as des super pouvoirs, Artemis. Regardez ma force. Bah, je suis pas convaincu, hein, sachant qu'elle aime bien Ban. Non. Ah, c'est pas faux. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça gît dans point d'exclamation miaou, combien il faut mettre de U? Je sais pas. Eh. Tout ça. T'en mets 42. 42? Ça dépend, c'est ça dépend du miaulement. C'est votre point de miaou. Chez. Oh. Vous avez tous fini, c'est ça? Ouais, on a déjà fini. Ça dépend si le chat il fait miaou, miaou ou miaou. Mais du coup, bonsoir à ceux qui m'ont dit bonsoir et surtout à Kyo. T'as un gros bonsoir d'Artemis. Ouais, ils font. Admirez mon pouvoir. Bon, c'est quoi qu'on a le jardin volant là? Bah, je sais pas. Moi, jamais. Merci de voter le jardin volant. Le jardin volant n'existe pas. Il est trop bien ce circuit, surtout la musique. Ouah, non pas Sydney, si c'est trop bien Sydney. Bah oui, c'est trop bien. Elle est trop bien cette map, moi je kiffe. Et Akira Kirito qui aime pas. Oh, ça tombe dessus. Oui. Ouais. D'ailleurs, ouais, on retient ta promesse d'accueil. Oui, ne vous inquiétez pas. Coucou Witch, comment ça va? Alors, je t'ai vu, t'as lancé Splatoon tout à l'heure. Comment ça a commencé? Avec la nouvelle Switch. On n'oublie pas, Artemis, on n'oublie pas. Ne t'inquiète pas. Je l'ai promis. Voilà.
Il était 3h du mat, je sais. C'est comme les paroles d'un homme bourré. Mais je l'ai promis. Sauf que tes paroles ont été enregistrées. C'est pour ça que je le ferai. Mes paroles ont été pré-enregistrées. On m'a volé mes carapaces. Ouais, c'est ma faute. Oh la merde, vas-y. Ouais, c'est ma faute ça. Oh. Oh. Okay. Non. Ok, personne. Ah, oh, c'est pas beau ça. Non. Là, en plus, c'est mon mais c'est le bordel, t'avances d'un pas, tu recules de 3. Et je me prends des carapaces qui sont même pas pour moi en plus. Oh non, oh, oh non, Diablo. C'est pas la rouge. Je suis pas en Diablo. Bon, bah j'ai pas pris le thème à la fin, mais ça va. Oh oui. Le suppositoire surprise. J'ai pas prédité ma on a hâte de voir ça. Wow. Oh non, t'as vraiment promis ça. J'ai promis ça, Grim. Mais Grim, il était tard. Il était tard du matin. Et j'étais fatigué de la tarditude du matin. Et du coup, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Il a dit il va faire un live. Un mort secret. Du coup, comme j'ai dit oui, il faut que je le fasse. Il est fini. Je suis pas fini, je le ferai et j'imiterai tout mon cœur. Il est fini. Justement. Je le ferai à fond en plus. Ah, peut-être la fin de ma carrière. C'est de me mettre la pire map du monde. Et quoi, la pire map du monde? En 216, c'est un peu le bordel. Diablo, tu prends mes circuits anti-moi? Ah non, pas du tout, je prends mes circuits que j'aime bien, moi. Oh, la prix des vaches. Ouais, moi aussi, c'est pour ça. Par exemple, Dojo Ninja, moi j'aime bien, donc je prends Dojo Ninja. Et regarde, ça va te mettre... Mais c'est ça, mais pourquoi il arrête pas de cliquer, lui? C'est meme. Je vais devoir de réduire en... une poudre petite sucrète. En poudre? Tu veux me réduire en poudre petite sucrète? Oh, le Deadmoss. Il va te réduire en petite sucrète. Je vais te réduire en poudre, parce que tu veux... Non, mais vous, moi je suis sûr... Moi, je vais vous faire un live amour sucré. Je vais vous faire amour sucré, ça va être une légende. Voilà. Bah, on va créer une légende ce jour-là. À la limite, si on pouvait jouer en ligne ensemble, ça pourrait être marrant, mais c'est pas le cas. D'ailleurs, on parle si on pouvait se voir, ça serait trop. Les gens vont se mettre à jouer à amour sucré ce jour-là. Vous êtes sûr, ça va. C'est quoi amour sucré? Tu vois, déjà on commence à avoir quelqu'un qui s'interroge sur ce que c'est. D'ailleurs, en parlant d'amour sucré, faut que je continue. C'est quoi ce truc? C'est un jeu. Kyo, il faut que tu m'aides. En gros, il faut que tu pêches. C'est un jeu, Kyo, tu dois m'aider. Je suis dans la merde. En gros, il faut que tu m'aides. Yes. C'est un jeu cucu la praline ou quoi? Ouais, c'est ça. C'est un jeu de. Ouais, c'est ça, c'est cucu la praline. Et tu dois naviguer ton crâne. Mais il y a des beaux gosses. Oui, comme des cailles, c'est un beau gosse. Et pareil comme voix à la fin du jeu, je suis le boss ultime. J'imagine. Je suis la sucrète ultime. Yes. Sucrète ultime. T'es chaud des cailles à la fin, let's go. Final dans ce jeu, c'est Gloom. Tu vas devenir une sucrète de légende d'écaille. On peut jouer tous ensemble. Oui, mais on joue tous ensemble, mais c'est pareil. J'allais dire, on joue ensemble à la même chose. Genre, c'est une histoire solo quand même. Genre, on se rencontre pas dans le jeu pour. Tu vois. Wow, j'ai fini. Bah, c'est un peu comme dans toutes les histoires. C'est une histoire profonde d'amour sucré. Je sais pas si vous en refaites une dernière, vous. Moi, je vais moi, je suis chaud, moi. Qui est chaud ici? Allez, on repasse en normal. Moi, en vrai, j'en refais une dernière, mais après, j'arrête. Parce que après, je suis trop crevé. Mais je crois que c'est ce que Diablo a prévu, en vrai.
Oh bah toujours avec tes effets, hein, des cailles. Hein. Un vrai gamin. Un vrai gamin. Mais c'est des cailles aussi. Très très beau. Bon, moi je prends le plus beau de tous les rebeux, Mascas. Toujours plus. Mais ouais. Mais quoi? Oh, un chien. Oh. Bon, là, il n'y a plus rien. Il était bien le précédent où il n'y avait rien, je trouve. Hey, le vœu sur arc-en-ciel, hein, y en a un. Oh la vache. Les œufs qui ressortent, c'est moche. Quel enfer. T'imagines, il y en a un, il a vraiment ça. Cute, oh. Avec ses fiches, je vais garder celui-là, je pense. Prends un perso léger parce que tu vas pas t'en sortir sinon. Je veux voir et parler en bloc dedans. Ah oui, d'accord, je vois. Oh, mais c'est un, mais 50 cc là, sérieux? Oh merde, ça a commencé. Mais c'est pas 50 cc, c'est 150. J'ai pas fait gaffe. Non, pas 50, allez, j'ai mal. Ah, donc ça va vraiment pas vite là. Oh là là, putain, on a le temps d'admirer le paysage et tout quoi. J'ai l'impression qu'on se traîne en fait. Ah ouais, mais tellement. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi Movie Star Planet Artemis? Waouh! De la merde. Vraiment de la merde. Eh, Vicky, arrête d'aspirer mon. Ah, vous connaissez? Oui. Oui. C'est de la merde. Mais du coup, c'est quoi? Parce que j'ai bien compris, merde. C'était de la merde, mais c'est quel genre de merde? C'est de la merde, hein. C'est de la merde en boîte, pure et dure. Depuis qu'elle veut soutirer des informations à vous, hein. J'aimerais pas être le flic qui va vous interroger, hein. Entre autres, c'est un jeu de simulation de vie, entre autres. C'est comme Abo si tu préfères, mais en plus nul. Ah, ah ouais, d'accord. Ouais. Mais le problème, c'est que bah, tout le monde se drague là-dedans et c'est beaucoup des gamins de 10 ans qui jouent à ça. Non, ah, c'est de la merde, en gros. Qu'est-ce que c'était nul à Abo? On a tous joué à ça. Ah bah, j'ai jamais joué à Abo. Mais c'était nul. Oh, des cailles. C'était pas le mien. Dommage, c'était celui de papa. Ah, bon, moi je dis bougie. Bougie. Là, c'est le mien. Des cailles. C'est qui? C'est qui que j'ai volé l'objet? Oh, bah, c'est qui le premier? Ah, là, une petite bleue. C'était moi. C'était un invisible. Oh, il avait de quoi dodge. C'était un invisible, c'était moi. Et du coup, j'ai tombé. Ah, qui a tenté le cut? Il y a quelqu'un qui a de côté, mais qui est pas côté. Raté, il a réussi. Je l'ai eu, non, ouais. Ah ouais, c'est bon. Ouais, ah, de mon point de vue, tu. Non, moi je l'ai eu, c'est d'accord. Bon. D'accord. Bah, GG. Bah ouais. Trop fort en fait. Non, par contre, quitte cette horreur là. C'est moche. Let's go. Ramène-nous. Amen. Omanari Imperavi. Il y avait un jeu avec des pingouins. Oui. Je incarnais un pingouin. Oui, je me souviens, c'est lequel? C'est un pingouin. Le pingouin, le pingouin. Le pingouin. Est-ce que c'est le pingouin genre les trucs peuvent pas voler là ou je sais pas quoi? C'est que le pingouin il les pingouins ils peuvent pas voler. Ah non, rien à voir là. Les pingouins ils peuvent pas voler de base. C'est moi ou quoi? Il y a un jeu qui dit qui s'appelle qui a dit que les pingouins ne savaient pas voler et en fait ton but c'était d'envoyer ton pingouin très haut. Dans le but, il y en a qui arrivent. Ah oui, bah ouais. Un peu à la paf le chien. Ouais, après, c'est un truc comme ça, ouais. Mais c'était mieux foutu. Il y a un jeu, je crois, il s'appelle Worms. Il y avait un. Ah ouais. Oui. Bah tout le monde connaît ça. Bah oui, Worms, ça va. Ouais. C'est un jeu de guerre avec des vers de terre. Oui. C'est bien résumé. Voilà. Mais what? Mais tes filtres, il n'y a plus rien qui va. Ouais, non, mais tes filtres, c'est bon. Là, je découvre, là. Et qui a joué à GTA San Andreas? Moi. Ouais. Je vous respecte. Et quoi? Parce que ce jeu est beaucoup... Parce que ce jeu est beaucoup trop bien. C'est quoi, comme jeu? San Andreas. Alors...
Si t'as pas connu GTA San Andreas, tu dois quitter cette box. J'ai connu mais pas joué. Non, il a connu, ah, il bon. Connaît, il troll, il troll. Hein, c'est marrant, hein. C'est fire. Je rigole de rire. Tellement que c'est marrant. Mais qui est dit, monsieur? Ah, j'ai l'impression de pas avancer, ça saoule. Bah, tu m'as fait perdre 3 jours avec ton klaxon, Papa MK. 3 jours j'ai perdu. Quel con, je te déteste. Toi et ton putain de Ludwig. Je te déteste aussi, t'inquiète. Le premier là. C'est Papa MK. Ah bah ça, m'étonne même pas. On change pas une équipe. Tu penses qu'elle va me ralentir dans la course, c'est pas assez aérodynamique. Dommage. Je vais m'arrêter. Tu vas t'arrêter course, hein. Pourquoi? Non, je vais poser la manette, ça sert à rien que je conduise. Ouais. Alors si tu poses la manette, ça va te faire quitte la room. Diablo, ton pseudo, parce que c'est une référence à Diablo X9. De quoi? Ton pseudo, ce serait pas une réflexe... Non, absolument pas, non. C'est par rapport au jeu. Ah d'accord, une rêve parce que ça. Diablo immortel. Oh non. Non, parce que Diablo X9 c'est quand même une légende, quoi. Bien sûr, évidemment c'est une légende. Quelle histoire. Ouais, ça fait un peu chier. Désolé pour le bruitage. C'est comme Fanta, fait un peu chier. Bah ouais. The Fanta sur 974. Elle vient d'où la bombe? De moi. Ouais, je sais pas, bah, demande, à celui qui est en bout, demande à celui qui est en bout. Hein. Il y a un petit éclair, s'il vous plaît. Bah non, il y en a déjà eu un et... Il y en a déjà eu un il y a peu, tu peux pas en avoir un. Oh la grosse tête. Oui, c'est vrai. Grosse tête et en plus chauve. I'm a Batman, I'm a knight. Bah pas trop, hein. C'est ce que ça qu'il avait dit le coup, I'm Batman. I'm Batman. Oh là là. C'est ce qu'il a dit, mais je crois que ça dit après il est mort au Multiverse Plus quand il a dit ça. Tu t'es mis bien avec tes effets. T'avais dit I'm Batman et après t'étais mort sur Multiverse Plus. Mais pas des taux, enfin je crois. Non, c'est faux. Un potato. Un potato. J'ai une patate. Une patate kawaii. Kawaii. Moi je pense platin. Kawaii déçu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et si j'étais une frite? Une frite au kawaii. Et si j'étais une frite? Je suis une frite kawaii que personne ne me mange. Oh non, pas le pays glagla, c'est de la merde. Bah non, c'est pas de la merde. Oh les frites. Tant que t'as connu ça passe sur WhatsApp. La patate. Oui. Oh l'hamburger, yes. Il y a un peu tout. Un décueil dans des frites. Un décueil dans des frites. Je vais le croquer. Je sens. Pas ouf. Hein. Pas ouf. Qu'à la maison, on va crever. Hein, des frites qui pleurent. Yes. C'est pas ouf. Hein, finalement. Ouais, c'était pas ouf. Ok. C'est pas génial. Oh. On est un peu déçus là. On est, honnêtement, on va le dire, ouais, on est déçus. On aurait voulu voir autre chose et on était déçus. Oh, pur de pomme de terre. On est pédé du coup. On est un peu kawaii déçu. Et je vais recycler ma batte, ma blague. Kawaii dessouné. Hein. Comme les pattes. Non, enfin, mais Diablo, banane, place les mieux quoi. Oh la bombe. Oh, c'est toujours trop. Arrêtez Diablo. Arrêtez cet homme. Arrêtez. Moi, bon, laissez-moi tranquille un peu. Moi, je suis bien dans mon coin là. T'inquiète, je suis bien aussi dans mon coin. Qui a tué le pauvre Goomba là? Je crois que c'est Diablo. Non, c'est pas moi. C'est Diablo, attrapez cet homme. C'est Diablo. Attrapez-le. Assassin. Mon client Diablo est innocent. Alors pourquoi il fuit? Il fuit parce qu'il a peur. Parce qu'il n'est pas innocent, justement, il a des choses à se reprocher.
C'est qui a lancé une verte, qui a cassé la verte, qui veut essayer de t'abattre sur moi? C'est toi, Papa Lucas. Hein. Ah ouais, et après tu m'envoies une verte qui s'abat sur moi. Ah, c'est ma bike, je sais pas c'est qui le... Il y a quelqu'un qui a bike une verte. Il a commis aucun crime. Et Papa Lucas, il m'a sauvé avec sa verte, et puis après il m'a mis une verte. Oh, dommage. C'est pas ouf, en fait. Ouais, c'est pas loin. Elle était pas loin. Ouais, pas loin, ouais. Pardon, tu détestes le gars qui a placé les bananes. C'est moi. C'est ouais. Une banane. Très bien. Une banane bio. Le bac rouge, il m'a fait mal. Bah, la bac rouge, c'était la mienne. Ouais. Bah, je pardonnerai. Ce filtre. C'est Je sais pas ce que c'est. Mais... Ça me rappelle mon époque émo, ça, par contre. Ah putain, Red. Incroyable ce Red. Bienvenue tout le monde. Parfait. Moi, c'est Brigitte et l'autre là, c'est Dekay, mais on s'en fout de lui. Ouais, on s'en fout de moi. Ouais, salut. Comment vous allez? Emo girl. Salut à Azuki, comment vas-tu? Salut Bernays, ça va bien? Ouais. Et mon corps, ouais, je retombe en adolescence. Comment tu fais pour personnaliser ton mi? Ça va alors, bien, et vous allez bien? On a passé une bonne soirée. Pourquoi j'ai ma tête et mes cheveux qui sont séparés comme ça? Il faudrait que ça soit rassemblé, c'est con ce truc. Ben, je crois qu'il faut... C'est nul. Il faut aller dans les mi. Allez, let's go, on va voir. Avoir un Todd, tu vois, un Sony. Je vous cache cette magnificence, pardon, excusez-moi. Du coup, ça va, Bernest, tu t'es régalé? Tu as encore joué à Fliff? Je crois, non. T'as fait comme hier soir ou avant-hier plutôt? La Hard Farm, ok, ouais, tu cherchais pas des succès là. Mais du coup, Azuki, ça va bien? Et toi, comment vas-tu? Est-ce que la verte atteindra sa cible? Oh oui! Dommage. C'est ta carabasse que je visais. Oh, est-ce que Dekay sera un jour gentil avec ceux qui jouent à MK avec lui? Je suis gentil avec les gens qui jouent à MK avec moi. J'ai débarrassé... Tu leur lances des carapaces. C'est parce que j'avais à un moment où t'étais... Oui, mais c'était pour pas qu'il s'en prenne une. Genre, il avait une carapace qui lui collait derrière lui, le pauvre. Je l'ai débarrassé parce que ça aurait pu être dangereux. Tu vois, la Papa Lucas, il avait une banane qui le bloquait. Ben, je lui ai enlevé sa banane. Voilà. Il y a une carapace, je lui enlève sa carapace, le pauvre, ça va te gêner. Attends, j'ai encore eu un. Il y a quelqu'un qui m'a démuni. Oups. Fire! Non, tu passes pas. Ah, il est passé. Ah, dommage, il est passé. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est waiting que le box. Ah, pour le moment, ouais. Pas, et on a. Oh, GG pour les 600 follow, Bernays. GG à toi. Bon, en même temps, j'ai pris Waluigi avec le Quad Wiggler. Hein. Oui, non, c'est faut arrêter. Faut arrêter. GG, c'est incroyable. J'ai une roue qui a crevé. T'as une roue qui a crevé? Oui, dans le jeu. Ah, ok. Bah, fallait t'arrêter au stand. Excuse. J'ai essayé. Ah, ouais, je dirais que ça t'a crevé en fait. C'est connerie. Je suis en train de me booster de banane. Alors. Merde, je voulais lancer un popo, mais je sais pas où il est. On se demande si tu gagnes. Oh oui, exit bike. À un moment. Comment? Il y a Bernès qui se demande si tu gagnes un peu. Ouais, mais plus maintenant là. Là, c'est plus les heures de gagner. Là, c'est les heures où on n'en a rien à faire. Bye bye, Azuki. Merci d'être passé.
Bonne soirée, fin de soirée à toi. Si tu t'arrêtes au stand, c'est pas comme les Ferrari en F1. Qu'est-ce qu'elles font les Ferrari en F1 quand elles s'arrêtent au stand? Arrêtez avec Ferrari. Arrêtez avec Lamborghini. Yeah. Oh non. Ouais ouais, il est sur Switch, je suis bien sûr, bien sûr. Forcément, il est sur Switch. C'est le Mario Kart quoi. The Classico quoi. Oui, non, mais évidemment, j'avais zéro pièce, quoi. Personne n'a qui a demandé que c'était sur Switch, il y a une grotte, quoi. Bah, il demande. En bande organisée. Ça aurait pu être. On aurait pu jouer sur Wii U. Ouais, c'est vrai. C'est pas fou. Et ouais, donc, non, sur Wii U. Moi, je l'ai juste derrière moi, le Wii U, d'ailleurs. Oui, mais il y a qu'un item, c'est mieux. Ouais. Ah non, justement c'est mieux qu'il y avait qu'un seul item, je trouve. Non, non. Mais ouais, si tu peux te le prendre, il est cool, Bernard, en vrai. Les paris au stand font que de la merde. Ah, bon, c'est mes quasi hyper alors. Je suis pas le gueulera. En gros, il y a 3 roues sur 4 présentes pour un changement au stand. Ah, c'est moins bien. Enfin, c'est pas... Je sens que je suis pas le seul rat ici. Ah, coup Virtu, d'ailleurs. Ça va? Oh non. Tu vas bien ou pas? Oh putain. Et le mec avec son zig derrière. Étonnant. Ah mais ça suffit les carapaces rouges là? Hein, Papa MK? Hein? J'en ai marre là. Ça suffit les carapaces rouges. Parce que quand c'est pas des bananes, c'est ou des carapaces vertes, ou des carapaces bleues, ou des bombes. Il y a toujours un truc. C'est chiant. Parce que... Voilà quoi. Et ça c'est bien de faire ça. Ça c'est bien ça. C'est du respect ça mon garçon. Trois carapaces en deux, c'est vrai. Tu crois que c'est du respect mon garçon? Tu crois que c'est du respect ça? Pardon pour des cailles. Non, non, t'as pas sur PC, c'est uniquement sur Switch. C'est des carapaces rouges bio. Tu télécharges un émulateur. Oui, c'est... Des carapaces rouges bio, énorme. Des carapaces rouges bio. Virtuel. Non, j'ai pas fini de pleurer pour les carapaces, Grim. J'ai pas fini. Moi, j'aime pleurer. Moi, je suis un chialeur, moi. Arrête de chialer. C'est bio, les carapaces? Bah, elles sont bleues. Elles sont bio. Bah, manger du bio, c'est bon. Hein. Le deuxième assez c'est bon. Bio. T'as raison. Bah, ouais, mais c'est comme ça. C'est Mario Kart. Hein. C'est le jeu. Est-ce que Rose est là, Mario Kart? Je sais pas. Je sais pas si on a déjà joué ensemble à Mario Kart. Je crois pas. Non, alors elle l'a sur Wii U, je crois, mais elle l'a pas racheté sur Switch. Non, tu viens pas. Déjà 1h21. Ah ouais. C'est pas grave. Non. Mais c'est pas grave. Vous allez dormir plus tard? Bah moi je dors toujours. Environ 4h du mat. Je dors toujours tard, alors bon. Promenade à Paris. Voilà. Vous dormez environ 14 du mat. Oh, ça dépend. Ça dépend des jours. Voilà, ça dépend des jours. Ah. Non, Geeko, tu te la gardes. Fuyard. Ah, oh, Papa MK! Je suis obligé de changer toute mes trajectoires à cause de toi là. Désolé. Et j'ai mis une banane à un pauvre petit Mario doré. À cause de ça d'ailleurs. Désolé. Une banane? Bio! Elle était peut-être bio. Ouais. Ah, je pense qu'ils l'ont pas la rêve de ce que je dis en fait. Non. Non. Ah oh, si je vous dis Seven. Quoi? Ah samedi. Ça samedi là-dessus. Mais je vois pas à quel moment. J'ai pas l'arrêt par rapport au moment. Mais Seven ouais. Bah c'est dès qu'il y a une banane il dit c'est en fait. Voilà. Ah bah écoute, je sais pas. Ça m'a pas marqué je pense. Sur le tech sur Mario Kart il le dit.
que j'étais si bien. Mickey, il faut que tu rajoutes une sonde d'alerte. Laquelle, Artemis? Dis-moi. Oh, purée de pommes de terre. Dis-le-moi dans l'oreille. Nom d'un œuf cassé. Nom d'une couille. Je déteste les joueurs du caxon. Papa. Et voilà, maintenant je me tape le gros karma. Nom d'une couille. Tu respectes ça, mon garçon? Et il faudrait que, ouais, peut-être, mais il faudrait que je la raccourcisse, genre, pas qu'elle y soit entière. Oh, Diablo, ça fait une dinguerie. C'était déjà une frame à une frame, quoi. Je pensais que je passais, mais non. Ouais, ouais, c'est ça, quand il dit une fois, il faudra trouver le bon moment, et ouais, pourquoi pas, Artemis, pourquoi pas. Mais il faut que je m'en souvienne, faut pas que je l'oublie. Moi, je l'oublie, moi, je suis un mec oublié, moi. Moi, je suis comme ça, moi. Moi, tu me dis les choses, je fais en sorte de les oublier, inconsciemment. Ah, il est très fort pour ça, le Decay. Très, très fort. Ouais, il est très fort pour oublier. De toute façon, il est fort pour oublier ce qui est important. Ah, aussi. Ça dénonce. Comme il dénonce là. Par exemple, Decay, c'est quand mon anniversaire? Je sais pas. Et voilà, il a oublié. Ouais, j'ai voilà, oublié. Il m'a oublié. J'ai oublié. Je connais, j'ai oublié le mien d'ailleurs. Il joue tellement de jeux. Il joue tellement. C'est pour ça qu'on peut faire un trello. Ouais, alors on pourrait faire un trello, Artemis. Et je suis totalement d'accord parce que du coup, on pourrait noter les idées pour pas les oublier. Sauf que moi, j'oublierais d'aller lire le trello. Tu vois? Ça fait quoi si tu utilises un... Tu prends un agenda, je sais pas. Un plus. Ouais, mais il faut pas que j'oublie d'ouvrir l'agenda. Parce que si j'ai un agenda mais que je l'ouvre pas, bah je sais pas ce qu'il y a dedans. tu mets un éditeur dessus. Un plume. Diablo, c'est quand mon anniversaire? Mais tu me l'as jamais dit. Bisous, Mimosa. Repose-toi bien. Merci d'être passé ce soir encore une fois. Oh. Une bonne nuit. Sandy, c'est quand mon anniversaire? Il y a bien peu. Ah, une plume! Bah, tu. Oh. Pourquoi tu joues... tout le monde joue la coccinelle là? Parce que c'est mignon une coccinelle. Voilà. Elle a des petites ailes en plus. Des petites ailes là qui font piou piou et avec des petites flammes qui sortent. Merci Clara, toi au moins tu oublies pas mon anniversaire. Ah bah, moi, c'est ta cousine. Je ma connais pas l'anniversaire de ma cousine. Je crois que c'est en avril. Moi j'ai du mal à retenir l'anniversaire de mes frères, alors c'est pas que je retire chez les autres. Hein. Bah moi je retire déjà l'anniversaire de Clara, c'est suffisant. Bah, c'est déjà pas mal. C'est suffisant, je retire mon son anniversaire. Eh mais toi Gecko, t'es bon là. Et la livre de mes parents. Je vais te taper, hein. Je vais te taper. Ah, hein. Non, Kyo, non. On fait pas ça. C'est déjà fait. Eh ben, on fait plus. Non, tu peux le faire. Non, Kyo. Attends, Skadrex. Dis Kyo, tu peux le faire. Et voilà, et voilà, et voilà. Ouais, non, mais voilà. T'as un bisou de Virtu, Kyo. Un bisou de Kyo Virtu. Oui, normalement, il t'entend. Oh, bien joué, bien joué. Après, ça dépend s'il entend bien ou pas, mais... Merci. Virtu... Je pense que oui, il est pas si vieux que ça, Virtu. Virtu, mon cuisinier personnel. Mon anniversaire, c'est le 25 novembre. Non, mais j'ai pas dit que c'était pas une bonne chose le Trello Artemis. Ça, je dis juste que, si je le consulte pas, je l'ai mis dans son Discord. Ça sert à rien. Je m'en souviens, tu me l'avais dit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ah. Mais moi, tu me l'avais juste ça. Bon, moi, je le saurais. Merci, Clara. Bon, toi, Clara te l'a dit. Si. Oui, bah oui. Et pense à un cadeau d'année pour moi aussi. Moi, je consulte et je te fais des rappels. Ah, mais si tu veux. Alors. Artemis. Le 25, je dormirai, je pense. Et je suis honte.
Sauf si tu dors pas. Hein. Sauf si tu dors pas, tu penses à m'offrir un cadeau d'anniversaire. On appelle le rat dans le milieu. Voilà, le milieu, on appelle ça un rat. C'est très bizarre. Alors. Je suis un rat. Je suis un rat et je l'assume. Ah bah non, je ne l'avais pas mis, mais je m'en suis souvenu de ce que tu m'avais dit. On va arrêter les bêtises. Ah, enfin je vois la manette catcher. Enfin je vois la manette Splatoon dans tes mains. Enfin. Ah tu veux la voir, regarde. Bah ouais, attends, bah moi je vois. Allez, ouais. Bah tiens, voilà la mienne. Voilà. Attends, parce que du coup j'ai pas rouvert les leurs du coup. 2 secondes. Diablo, je te vois plus. Ouais mais du coup le temps que tu le fasses et qu'on soit en course. Non la mais il a le temps, il a le temps. Voilà c'est bon, je l'ai vu. Elle est là. Non, elle est jolie, elle est jolie. Ouais. Je sais qu'elle est jolie. Toi, elle est bleu et jaune, ouais. C'est ça? Bleu et jaune, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, elle est toi, rose et verte. Et toi, c'est rose et verte. Ouais, pour Splatoon 2. Ouais, c'est ça, c'est Splatoon 2. Ouais, ouais. Splatoon 2. Ouais, j'ai acheté toutes les collectors des monnaies pro et mais j'ai arrêté là. Ah bon, d'accord. En même temps, c'est pas donné hein, une manette pro aussi. Hein. Ouais, c'est pour ça. Il me manque du coup, bah, techniquement, il me manque que deux. Il me manque la dernière Monster Hunter parce qu'ils en ont sorti une autre quand ils ont sorti l'extension. Les bâtards. Et il me manque bah, la Splatoon. Nintendo, tout pour l'argent. Hein. Ouais, ils font tous des manettes collector de toute façon. Ah, que bon, Nintendo. Ouais, mais quand même, moi. Ça fait déjà la quatrième que je change. Moi. Tu peux me faire du mal, la pauvre, quand même. Tu sais, jouer à Smash, ça nique les manettes. Ah, bah ouais. Voilà. Ah, bah je comprends. Pourquoi tu joues pas avec ma GameCube? J'ai dit ça comme ça, hein, moi je sais pas. Oh. Bonne nuit, faites beau cauchemar. T'as raison. T'as raison, bon, toi. Ouh. Ah. Une petite banane coquine qui se baladait dans le tas. Toi la coquine. Oh les chats là, suffit oui. Bonne nuit bonne nuit Clara, merci beaucoup, bonne nuit à toi, des bisous. Bonne nuit Clara. Bonne nuit Clara. Voilà. Et bonne nuit. C'est trop, arrêtez. On arrête avec les chats là par contre. Allez bonne nuit Clara. Vous les entendez? Bizarre. En parlant de chat, c'est bizarre que mon rouquin n'est pas encore rentré. Bah moi, le mien doit dormir quelque part. C'est peut-être une carapace. Alors, ce serait marrant, ça. Ce serait cocasse. Pauvre chat. Eh ben, bonne nuit, Clara. Repose-toi bien. Et oh non, pas maman. Oh non, pas le circuit. Oh, mais arrête, il est bien ce circuit. Faire des papiers, non, il a chier. Papiers. Mais tu fais pas des bêtises, d'accord? Tu te calmes, t'as l'air excité là. Le manoir Luigi de la DS était meilleur. Hein. Là où? Ouais, là, c'est vrai que je suis d'accord. Voilà, tu fais des papouilles si tu veux, mais tu te calmes. Voilà. Tu crois que c'est pas qui gentil. Tu viens encore du manoir de Luigi sur la DS. Oh merde, attends, il faut que je roule. Mais Mario Kartien, je l'ai tryhard comme jamais. Excité, moi. Là. Tu te calmes. Tu peux mettre des poils dans les nez. C'est vraiment pas le Mario Kart que j'ai tryhard le plus. Oh. Pour te dire, je prenais SkyRex avec le véhicule d'Europe. Ah bah voilà, donc ouais. Le meilleur, c'est le double dash. Ah, je faisais pareil. Oui, effectivement, je suis d'accord. Double dash. Je suis tout à fait d'accord. J'ai jamais joué à double dash.
Il est incroyable. Je suis encore plus fort à double dash. T'inquiète, moi je suis encore plus doux à double dash. Moi je suis un dieu dessus. Bon, moi je suis un Bambi. Bambi. Par contre, sur MKWI, tu me donnes Funky Kong Back and Bowser, je viens un sale bâtard. Non, par contre, faut arrêter avec les vieilles méthodes de merde. Vas-y, MKWI. Vas-y, MKWI. Aïe, Dekei, t'es pas gentil. Vas-y, je vous apprends avec plaisir sur MKWI. Non, j'ai jamais dit que j'étais gentil. Ouais, il est gentil, Dekei. Non. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend avec qui. Et ça dépend quand. Aïe. Ça dépend du jour. Ça fait beaucoup de débats. Aïe. Et ça dépend, ah, ça dépend du jeu aussi. Ouais, du jeu. Ah bah évidemment. Comment il a dormi. Sur Cooking Simulator, mon gars, je suis pas le plus gentil. Hein. Ça dépend comment il s'est fait. Surtout, c'est le mec qui est calme. Ça dépend les secondes. Hein. Alors que sur Doom, t'es le mec le plus calme au monde. Ah, je suis Doom, je suis tranquille. Hein. Ah ouais, bah attends. J'essaye de tuer le moins de gens possible quand même, parce que c'est bon. Ils m'ont rien fait, quoi. Parce que sinon c'est pas un peu. Bon, là, Dekai doit faire une nouvelle récompense. Je vote pour que Dekai crée une nouvelle récompense. Ça serait quoi la nouvelle récompense? Ça sera un petit plagiat de Nao. Non, un plagiat de Nao. Si. Ah ouais, non, je veux pas plagier Nao. C'est son truc, ça. Je t'applique là, juste un petit pop. Le petit Chocapic l'a déjà fait. Oui, mais le petit Chocapic, voilà. Oh là là. Je suis devant papa Mika. Le petit Chocapic, il est jeune. Le petit Chocapic, il se cherche. C'est pas pareil. Incroyable. On va dire qu'il a eu un peu le feu au cul. Ouais, c'est vrai, par contre. Il n'y a pas que lui, hein. Il y en a beaucoup d'autres. Ah. Ah moi si, ah moi quand je pourrais je le ferai. Le sois gentil Ivan. Quand je pourrais je le ferai. C'est vrai que depuis que je suis arrivé, on l'a pas encore fait si t'es sorbet. J'ai pas encore fait si t'es sorbet. Ah oui, c'est vrai ça. Littéralement qui est un monde de Fall Guys, hein, on va pas se mentir. Et qui c'est qui fait des bêtises encore? Vous me saoulez là. Maintenant que tu le dis, ça y ressemble un peu. Qu'est-ce que c'est? Oui, effectivement. Coucou le raid, comment vous allez? Bienvenue chez Dekei, il est sympa mais il ne me paye pas suffisamment. C'est un partenariat caché. Oh oui, Biglouf. Sanjikora. Merci beaucoup pour ton raid. Comment vas-tu, Sanjikora? Mais ça va, merci. À quel jeu tu jouais sans Jikora? Je sais pas. Je me suis perdu à un moment donné. Ah, et tu as passé une bonne soirée sans Jikora? Non. Cool. La forme sans Jikora? Bon, ça va, j'ai fini. Je me suis fait brasser à ma manière. Quelqu'un a volé ma manière de braquer et l'a utilisé contre moi. Ok, j'ai peut-être renversé quelqu'un qui s'appelle Papa MK, il va pas être content. Bah, il va pas être content, il va se venger, hein, surtout. T'as pris ma Switch. Oh, on me braque. Ah, boum, le sniper, c'est incroyable. Oh, j'ai des choses. Non, ouais, j'ai préféré avec Apple Life parce que j'en ai pensé, mais je crois que c'est pas. Ça va. Mm-hmm. Pas de problème. Ok, c'est clair, oui. Coucou, Feli. C'est clair, oui. Merci pour ton leurre, j'espère que tu vas bien. Je savais bien ça, mec. Oh, c'est pas fun, ça. C'est pas fun. Allez, Kyo. Allez. Bon, après. Il est passé où mon boomerang? Il est jamais revu. Il est tombé dans le vide. C'est quoi? Mais c'est possible. Je peux faire le miracle. Oh
Oh non, non. Ah ouais, j'avais oublié. S'il vous plaît, t'as une rotation. Oui, c'est vrai, presque. On va dormir au salon alors. Let's go. Ah, bah, je vois un décaille. Merci. Ah, quelle belle soirée. Merci, je remercie le ciel, particulièrement ce soir pour cette le ciel sans qui je n'aurais jamais pu terminer cette course. Je remercie le ciel aussi. Pardon. Je remercie les salières présentes. J'ai l'impression de me faire vraiment focus. C'est pas une impression. Je remercie mon client Diablo. Focus, c'est juste être vraiment. Non. C'est du sel quoi. C'est Mario Kart quoi. Non, mais moi aussi, t'inquiète pas que. Sur MK, t'as toujours cette sensation de toute façon. Ouais, oui. Tu sais, les deux premiers tours, ça peut aller, mais le dernier, c'est terminé. Mon client Diablo. Oui, c'est souvent au dernier tour qu'il y a la plus grosse merde. Sans qui je n'aurais jamais été là. Quoi? Et après, plus t'es fort, plus t'es visé, je pense. Bah alors, Papa Sanji. Il est bourré alors. Dommage que je suis pas bourré. Attends, moi je suis perdu, je comprends plus rien. Oh, bah merci alors, au père Sanji, à mon client Diablo et à mon bébou Dekai, sans qui je serais pas là aujourd'hui. Oh, ma Vrunch qui joue à Splatoon. Est-ce que ma Vrunch. Enfin, ouais, c'est mon client, je suis avocat. Avocat du diable. Tu veux dire ton nom ou ton client? Mon client. Je veux dire que c'est l'avocat du diable, du coup. Bien évidemment. Bien évidemment, Diablo. Mais le diable n'est pas défendable. Effectivement. Si, si. Si, si, il a failli à l'autoule. Une fois. Ah, mais lui, c'est pas l'atoule. Voilà, l'atoule des enfants. Il a lui, c'est le tôle. Parce qu'un démon l'a piégé. Si ce n'est pas déjà un démon, voilà. Ouais, mais tout ce qu'il mérite, c'est d'être déchu. Oh, pas mal, ça. Ah, il est pas mal. Ça ne lui fait rien. Ah, j'avoue, il est pas mal. Mais merde. Oh. Bah ouais, mais en même temps, ouais, c'était dans mon angle de virage. Il faut que tu mettes un petit peu les enfers pour faire quelque chose. Donc, déjà allé aux enfers alors. Ah bah ouais. C'est mon petit jardin secret, ça. Oh, tu mords. Ouais. Ça. Non, mais moi, c'est pas ça. Qu'est-ce que je dois pas faire? Non, mais moi je te l'ai fait. Hein. Casse-toi avec ta bombe, casse-toi avec ta bombe. Oh la bombe. Oh. Non. Purée. Comment ça? Ma bille, elle a duré 2 secondes. Oh non, mais elle me cherche. Ah oh. De rien, ça fait plaisir. Kiyou, lala, incroyable. Ok, je te dépasse. Ah mais non. Si. Parce qu'après vous avez des thèmes tout cheatés et tout là. Moi je dois me battre avec des bananes. Vous avez des billes et des billes. Et des billes. Et des billes. Il y a 3 cinquièmes quand même. On a que des billes. Faites trop de trucs avec vos billes. Il va y avoir honte. Ça me trouve le cul. C'est surtout la map à billes. Oui, oui. Ouais. Mais il n'y a pas de billes. Jamais de billes. Mais après, quand t'as pas de billes sur la map à billes, ben c'est pas cool. C'est ma dernière, les gars. Non, un petit peu de violence pour tout régler. Non. Tu termines la session. Un petit peu de violence pour régler. Bah oui, parce que c'est la dernière course pour ça. Ah, ok. Sans le grain de violence de soirée, je peux pas dormir.
Splatoon. 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 Mmh. Oh non. Ah. DBZ. Non, on est très loin. La route ruban, je suis pas fan. Le circuit est stylé, mais je suis pas fan de la course. Bon, elle est excellente. Ça marche. Ah, DK est de nouveau en live. DK est de nouveau en live. Ça fait un moment qu'il est en live. Oui, bah, quand même. Hein. Ah, oui, les points de chaîne, oui. Oui, en effet, maintenant ça remarche. Oui, nouveau en live. Comment? Pourquoi? Non, non, c'est parce que j'ai eu un problème de connexion que je crache. Ah, non, non, j'ai eu un problème de co. C'est pas un problème de Twitch qui a fait. Par contre, c'est un problème de Twitch qui a fait que tout à l'heure j'étais pas en live. Voilà. Ah, ouais. Pardon. Comme tous les samedis soirs. Samedi soir, c'est la soirée de Dekai. Yo, Maudi, comment tu vas? Ça va, Maudi? Ah, ben non! Bah, je devais cut, mais j'ai pris un bien l'intérieur avec un champignon, mais du coup, au moment où je suis rentré dans le cut, eh ben, on m'a volé mes champignons. Ah, désolé. Ah, parce qu'en plus, c'est toi. Oui. T'as pas honte? Bah, j'ai pas choisi ma cible. Et toi, t'as pas honte d'avoir une rouge? Bah, écoute, pourquoi ouais, j'aurais honte? C'est ma rouge. Les pays oh non oh ah, Diablo va toujours bien. Ouais, Diablo il va toujours bien. Qui c'est qui mange son micro là? De quoi? Et quelqu'un qui avait son micro dans le cul, non? Moi j'ai pas de micro, ah, tout simplement. Ah bon, je sais pas, bah alors autant pour moi c'est. Ouais, ah, on est d'accord. Il y a un micro dans le cul, c'est quelqu'un qui mange son micro. Ouais. Oh, ça me prend comme ça, gorge. Qui c'est qui mange? Qui c'est qui a faim là? C'est pas bon, bah, je sais qu'il y a mangé son micro. Pas de micro, je vous prie avec vous via le micro de motel. Oh non. Bon bah tant pis pour moi. Oh des cailles, non par contre là. Non. Je sais pas pourquoi. Ouais, bah écoute, ouais tu peux. Si tu veux, tu peux venir. Tu peux prendre ma place. Et je te considérerai c'est comme qui vient. Moi. Bah je sais pas, mais Maud. Si c'est la dernière session, y'a personne qui vient. Ouais, je sais pas. Bah après je sais pas c'est si, qui... c'est... si je sais pas si c'est pourquoi, la dernière pourquoi vous faites une course dans ma chambre? Une course dans sa chambre? Bah ouais, le circuit c'est ma chambre. Et il se passe quoi là? Vous n'avez pas vu le méga Mario Kart avec le carton là? Non. Ah, ah si le jouet là. Le circuit ouais. Oui. C'est mon jouet. Ah. Je vais aller dormir aussi, ça marche Arturito, pas de soucis. Merci d'avoir joué avec nous et des bisous. Au revoir. Bon, moi Arthur. Je vous laisse les gars. Hein. Ben, au revoir allez, Fire aussi, merci pour la game. Allez. Et si ça t'intéresse, n'oublie pas, samedi prochain, il y a le tournoi avec le jeu à gagner. Bah j'essaierai d'y penser. Ouais, ça va. On va tous gagner à Mario Kart, c'est le jeu à gagner. Ouais, ouais. Sur le serveur de Dekai et la mafia et la Mifa. De toute façon, je si tu restes sur le serveur, je ferai un rappel, je ferai un everyone le jour du tournoi. C'est Ivan qui offre le cadeau. Ouais, c'est Ivan qui offre le cadeau, ouais. Hey on est invoque sur le serveur de DK. C'était un plaisir de me défoncer par vous. Ah, bon, allez, à plus, les mecs. Allez, à plus, ciao, ciao, bonne soirée. Vous voulez quoi comme cadeau? Ah, bah, c'est le gagnant qui choisira. Un jeu? Vous voulez quel jeu? Vous voulez quel jeu? Pokémon violet. Ah bah c'est le gagnant qui choisit. Si je vous offre un jeu de 90 centimes, vous me le remboursez? Non. Parce que j'ai pas assez d'argent pour moi. Parce que je le veux pas. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez continuer ou vous voulez arrêter? Moi je veux jouer, moi. Moi je peux encore faire une série. Moi j'arrête. Tu veux faire quoi? T'arrêtes Kyo. Oh la petite Kyo. Oh Kyo, ouais. Ça arrête. Oui, je suis fatigué. Hop. Eh bah ben, ça marche, pas de soucis. Pas de soucis. Ouais, oui. Ami, le nom que je voulais voler veut plus sortir de ma gorge. Bonne nuit, Kyo, du coup. Bonne nuit. À bientôt. Bonne nuit, Kyo. Merci pour les games, c'était à cool. Plus. Merci à vous, c'était sympa. À plus, Kyo. Ciao. C'est toujours un plaisir.
Allez, on va sur même si j'aurais voulu être vénal ce mois-ci, j'aurais pas pu. Il y a trop de pression voilà, Artemis, maintenant on se retrouve entre mecs. Ah, t'as un mec toi ? Bah non. C'est quoi le lien de sembler ? Je vais te l'envoyer. Je vais t'envoyer le lien de sur les bords. Je suis un mec qui vient de défoncer quelqu'un. Ça c'est quelque chose. Ouais. Hop, let's go. Voilà. Alors vous étonnez pas, il y a à peine moins de courses que tout à l'heure. Ah, il y a combien ? Il y en a 8. Ah. Ouais, ça va, 8. Non, c'est juste que je suis à la Medinazia, c'est le prochain. Ah, mais c'est la nuit aussi, la Medinazia. Tu fais une nocturne. C'est où ça déjà ? En Belgique. En Belgique. Ça a l'air d'être trop cool en plus. Peut-être. Moi, j'ai envie d'y aller en Belgique. Moi. Bah, vas-y. Bah, moi, j'habite à la frontière. Wesh. Wesh, mode. Ouais, ça va. Ah moi j'ai envie d'aller chez Decaï là. Decaï il est pas en Belgique hein. Moi je sais qu'il est pas en Belgique. Moi je suis à même pas salut. 5 km salut, de la Belgique. C'est juste que j'ai envie d'aller chez lui. Yeah. Salut mode, tu vas bien? Ouais mais tu vas aller chez lui pour prendre plus. Ça va tranquille. Bienvenue. Non je vais aller rendre visite. OMJ, comment ça va? Bah alors. Ouais non en fait j'allais dire tu dors pas mais t'es une nocturne toi. En fait, si j'y vais en France, tu vas bien? Je vais tous aller vous rendre visite. Oui, mais tu pourras pas. Parce que vite, non, je pense qu'elle finit à 19h, mais c'est pas du tout dans ma ville. Donc... Ok, ouais, je vois. Les transports. Bah écoute, ouais, ça va bien. Sûr. MJ, ça va très bien. Ah oui, c'est pas t'as passé une bonne journée, une bonne soirée. Rentre du bar. Ah bah t'as passé une bonne soirée, du coup. C'est mon coup, on doit payer. T'as intérêt de prendre les billets de train à l'avance, mon gars, parce que si tu prends la dernière minute, c'est pas grave. Ouais, moi je sais que moi quand j'avais. Mon coup, on doit payer les billets d'avion. Moi j'ai vu les billets d'avion, moi je fais rien. Je suis là à rester à côté. Oh! Il vient de finir de me faire manger. Tu manges quoi de bon ce soir? Bien! Et sûrement, je vais être au radin avec lui juste pour vous voir. Là j'ai envie de toucher Papa MK. Oui, mais il est trop loin pour toucher. Il est trop loin pour que tu puisses le toucher. Donc c'est toi que j'ai touché alors. Ok, bah touche-moi. Oh, c'est qui? Sanji. Avec. Ou Sanji. Mario. Mais c'est le pote de Kyo qui joue là. Bah ouais, je crois. Diablo. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, il y a une édition de la... Mais Didesia en avril, c'est pendant les vacances aussi. Ouais, mais c'est super loin, Artemis. Je vais déjà pas aux conventions qui sont à côté de chez moi. Ah oui, non, c'est en Belgique, c'est mort. Je suis mort. J'ai pas réussi. Un truc rapide avec un riz cantonné maison. Oh, cool. Propre. Ouais, je sais. Mais ils ont entendu le message du coup. Mais du coup, moi, je te répondais. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de riz cantonné. Mon dieu, quel criez pas trop fort dans le chat, s'il vous plaît. S'il y a des gens qui sont en lurk et qui font peut-être dodo. Alors, s'il vous plaît. Il y a des gens qui dorment ici. Mais du coup, en avril, c'est aussi en Belgique? Oui, c'est en Belgique, oui. Ah ouais. Ah, c'est où en Belgique? Sauf que moi, c'est où en Belgique, Artemis? C'est vraiment ma recette du riz cantonais un petit peu différente. À Bruxelles. À Bruxelles. À Bruxelles. Mmh. Ma recette, c'est du riz, ouais, ça de fait l'œuf un peu loin. Et de l'huile. Mais je pense qu'on doit en avoir de ce genre de convention en France. Mais bien sûr qu'il y en a en France. Mais t'as la Japan Expo déjà, toi, sur Paris. Pas Japan non, Expo. Mais Made in India. Made in Asia. Bah, c'est la même chose. Mais ouais, ça s'appelle Made in India. Asia. Ah, ok. C'est une sorte de convention de type Japan Expo, mais en Belgique. Ok. Comme la... les Toulouse Game Show, et les, Game Show aussi. Les trucs comme ça quoi, c'est jeux vidéo, Asie. Ouais, Game aussi, ouais, aussi ouais. Moi je sais déjà que bah moi comme... Chut. C'est pas toi qui faisais chuter un petit peu. Ah non mais... non, je sais pas quand t'as arrêté de parler.
Décaille sera à la prochaine Paris Games Week. Ah non, mais ça m'intéresse pas. J'aime pas les conventions. Voilà. Oui, allez, je vais lancer la pub. Non. Pour moi, c'est mort. J'ai déjà fait la pub de Décaille, il va y aller. Ah, c'est prix de l'atonium. Ah, cool. Ça, je connais. Oh, oh la bombe. Oh putain, il y avait une bombe. Oui, oui, j'avais une. J'ai pris un combo là. Bombe et bonhomme bio. Oh, ça va, c'est propre, MJ, t'as été raisonnable. Putain, je vais jouer. Ok, et si c'est moi qui paye ? Décaille, et si c'est moi qui paye ? Mais c'est toi qui paye quoi ? Mais tu vas rien payer. Mais tu vas rien payer, t'as un râteau. Non, mais tu veux payer c'est quoi ? C'est pas grave. La Paris Games Week ? Ouais. Bah, mais j'ai pas envie d'y aller, mais moi, j'aime... mais moi c'est pas une question de prix, c'est une question de. Bah, ça m'intéresse pas. T'es foutu des vents ? Mais tu parlais pas fort sûrement. C'est peut-être pour ça que je t'ai foutu des vents. Mais pour toi, on parle. Pourquoi des cris, c'est un enfant si difficile ? Moi j'entends les orages, mais pas les petites brises. Ah, pas mal. Pas mal. Je sais pas. Je sais pas si je dois le prendre bien ou mal. Non, c'est juste que t'as pas dû parler assez fort et du coup j'ai pas entendu quoi, c'est tout. Cool. Ouais, t'es comme une petite brise en fait. T'as une petite brise, tu dois prendre bien. Ah, apparemment si, faut que tu te chutes Diablo, c'est MJ qui l'a dit. Même si c'est. MJ, bah, elle a dit si, chute Diablo. C'est qu'au lieu d'aller à la Paris Games Week, MJ, oui. Je vais aller rendre visite à Décaille, Mamako. Mais elle est méchante. Je sais pas, peut-être, je sais pas ce que tu lui as fait à Diablo. Je sais pas ce que tu leur fais à toutes qu'elles te détestent comme ça et que. Je sais pas. Bon. Qu'elles te renfoncent comme ça et qu'elles te disent chut, Diablo, chut. Moi, je sais pas, moi pourtant, je te trouve incroyable, mais je sais pas. Je sais pas, MJ. Non, elle le déteste pas, elle a pas dit ça, elle a juste dit chut. Tu te chutes. Alors moi pas, je comprends pas, mais il est adorable, il a des choses à dire qui sont intéressantes. Il est adorable Diablo. Moi j'ai envie de pleurer. Mais le roi des enfers, pas. Il est adorable, t'inquiète. Regarde dans tes mains. Regarde dans tes mains Diablo, ça te redonnera le sourire. Ce soir. Oui, on est des incompris franchement. Tu vas faire du Splatoon ? Ah. Ah mais faut pas que je me couche tard non plus quoi. Mais peut-être un peu alors après Mario Kart. C'est vrai qu'il y a pas Sugi, ça va ? Il faut un peu des vents à tout le monde hein. C'est vrai qu'il y a pas... Décaille n'aime pas fort les gens non plus, comme ça... Ouais non, voilà ouais, les gens... Bienvenue. Bon, enfin... Coucou, et merci Mods pour ton follow. Et du coup, tu voulais quoi, Sanji ? Bah, rien. Voilà, justement, il a dit, voilà... Sanji, viens, on va se réconcilier. On disait que tu foutais tout le temps des vents. Bah, c'est pas excessif, Kyo, de peindre, c'est raisonnable. Regarde, même là. Du coup, j'ai plus envie de parler. Du coup, je parle plus. Ah, MJ, elle veut faire un octogone avec toi, Diablo. Bah oui, c'était déjà prévu, mais MJ... Un jour, il faut que je la vois, quoi. Mais on se verra, ça se passe plus jamais. Personne ne m'aime. Le problème, oui, Diablo dit des choses intéressantes, mais c'est en trop peu nombre. Ouais, mais si vous l'empêchez de parler, il pourra plus les dire, ces choses intéressantes. Donc, laissez-le parler, laissez-le s'exprimer. Mais en fait, je te protège là, je fais tout pour toi, Diablo. Moi, je suis comme Sanji, je n'ai plus envie de parler. Clara vous a dit bonne nuit, non ? Oui. Mais elle dort pas, elle me fait chier. Ah bah écoute. Elle est là pour te faire chier. Écoute. On vient du bar, je suis d'équerre. Oh. Quelqu'un peut me faire du ASMR pour que je dorme, s'il vous plaît ? Ça va, t'écris propre encore. ASMR. T'es sourd, hein. Ouais, bah ouais. J'ai décrypté des cailles pour vous. Comment ça, tu me décryptes ? Ça va, je m'en sors plutôt bien, là. S'il vous plaît, vous pouvez faire du ASMR. Ah, voilà, c'est bon. J'ai réussi à retourner Grim dans le droit chemin. On ne dira plus des mauvaises choses sur toi, Diablo. Non, mais Mais si tu la verras, MJ, pourquoi tu la verrais jamais ? Bah, je
parce que la dernière fois quand je sais pas. Tu la verras un jour, t'inquiète. Bah, peut-être. Comme nous on se verra un jour. Ah, oui. Peut-être. Nous tous dans ce vlog on se verra un jour. Ou ah, pas. Non, moi, on se verra. Moi j'ai plus envie. Bon, moi j'ai envie de te voir aussi. Non, moi je vais plus parler à personne, je vais plus voir personne. Même okay. À moi. Tu voulais savoir quoi, dit Sanji tout même à l'heure. Même à moi. Ah, ok. Je suis pareil aussi, Sanji. Y'a rien de spécial à savoir. Hein. Hop, pardon, j'ai. Hop, j'ai fait de la merde. Pardon, excusez-moi. Oh non. C'est pas fait. T'as pas lu la fin. Bah, si, j'ai lu la fin. Pauvre Diablo. Non, en vrai, c'est drôle. Comment ça? Ah, du coup, pas pauvre Diablo? Ah merde, alors ah, c'est le contraire en fait. Oh non! Alors, pendant Diablo, je suis désolé, apparemment j'ai inversé les termes. J'ai plus de batterie à ma manette. Ah, bon. Désolé. J'ai l'impression de voir ton stream en VR, mais t'inquiète. Alors, ouais, si t'as pas de casque, c'est dangereux, ouais. Mais profite du coup, ça doit être une super sensation, quoi. De voir de la VR sans VR. Il avait l'air de comprendre que le problème avec les Japanese Pro, c'était pas la thune, mais les gens. Donc je te décrypte. Ah oui, oui, ah non, non, c'est pas la thune mon problème pour le Japanese Pro, non, absolument pas. C'est le monde, les gens. C'est le jeu de Je sais pas, je trouve ça un peu. Je sais pas. Je trouve que j'ai plus l'âge pour ça, quoi. Enfin, c'est. C'est plutôt des là, ados si, qui sont là-bas. T'as toujours l'âge pour faire ça. Pas envie de passer pour un vieux pervers. Déjà que tu passes pour un vieux pervers. Voilà, alors tu vois, déjà apparemment c'est pour un vieux pervers. Alors. Mais non, tu jamais, mais non, des cailles. Donc, on va faire éviter quoi. Tu es intégré dans la société, c'est différent. Comment ça, papa? Grim, t'es méchant ce soir, ça y est, tu as trouvé une nouvelle cible quoi. Quoi, il a dit quoi? Grim. T'es méchant avec des cailles. Mets-toi sur moi là. Sois méchant avec moi plutôt. Ah, j'ai un nouveau voisin de classe. Crache-moi dessus. Ok. Arrête de faire du mal à Diablo. Ah, mais en même temps, c'est crime, pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui entendent. Sérieux? Ah ouais. Ouais, mais ils accompagnent leur ado qui peuvent non. Pas venir seuls, c'est pas ça? Ah ouais, ouais. Je sais pas, non mais parce que moi les seuls Japan et trucs que ça que j'ai fait, j'avais 16-17 piges, il y avait que des gens de 16-17 piges, j'allais peut-être un peu la vingtaine, mais bah, c'est ah, tout quoi. Ah, Kyo, t'es encore en train de jouer? C'est, ouais, c'était, à notre, oui. À notre époque, c'est plus le cas. D'accord. Kyo est encore en train de jouer? Comment ça? Il est encore là avec nous? Oui. Ouais, Kyo. Elle fait genre, elle part au lit et... Elle vous défonce. Elle voulait plus vous parler, c'est tout. Oui. Voilà, je l'ai bien écrit sur le chat de Diablo. Monsieur Niki, oui, non, mais c'est une façon de parler, petit Grim, hein, et MJ, hein, s'il vous plaît. Hein. Mais pourquoi vous aimez pas des cailles? On change des cahiers. Eh ben, tant mieux. Hein, le d'accord. Gros titre, ouais. Il est généreux, il nous fait des lives tous les jours. C'est purement de la générosité, tous ces lives. C'est vraiment pas pour que vous veniez lâcher c'est votre moula, évidemment. On vient se détendre. Oui, des cahiers de façon de parler. Oui, bah, ça va, MJ, ça va, on se connaît un petit peu. Bah, énormément, mais on comprend très bien que c'est une façon de parler, évidemment. Évidemment. Quand on détaille par un live, c'est une occasion de venir parler de nos problèmes. Et à la fin, ils sont qu'on soit bourré ou pas. Alors après, vous parlez pas du tout vos problèmes. Hein. Vous avez un stylo qui fuit, tout ça, il n'y a pas de problème, ça on peut en parler. Je sais pas moi, qu'est-ce qui. Votre téléphone, il a plus de batterie, on peut en parler, ça me dérange absolument pas. Après, si on va plus loin, genre. On s'était caché, périmé, tout ça, là, comment se poser les bases, on se dit, bon, les gars, là, on est peut-être un petit peu trop... pas assez proche pour parler de ça, tu vois. On s'était caché, périmé. Ouais. Il n'y a plus de pompote dans mon frigo. Ça, c'est trop personnel, ça, on peut pas en parler. Voilà, on évite. Il n'y a plus de pompote dans mon frigo.
Decay psychologue. Let's go. Et puis les ados de 16-17 ans de l'époque, ce sont les adultes d'aujourd'hui, la passion ça respire souvent. Tu veux dire que l'ado de 16-17 ans de l'époque qui est en moi peut donc aller là-bas? Bah écoute, alors pourquoi pas un jour, hein, on verra. Du coup, des cas, oui, je suis toujours là. Si tu voulais aller à une convention sur Paris, tu pouvais ouais. venir, tu viendrais à la maison. Je vais laisser le S. Pour ceux qui ont regardé Death Note, regardez et bien. Et du coup, c'est à ça que tu m'as foutu un fucking vent. Oh, j'ai foutu un fucking vent à ça, c'est ouais. C'est pour ça qu'on écrira des Death Notes. Ouais. Oh. En vrai, je serais chaud. Mais en même temps, t'arrêtes pas de souffler. En fait, vous habitez tous sur Paris, en fait. J'avoue. Sauf moi. Dit comme ça, effectivement. Ok, Kyo, bah cool. Decay, c'était trop violent, le stackage. Mais tu vois, tu comprends, Grim? C'est pour ça que je veux pas qu'on en parle. Minute en voiture. C'est pour ça que je veux qu'il évite. C'est le genre de truc que je préfère qu'on évite d'en parler. Parce que voilà, comme tu dis, c'est violent et puis ça peut choquer. Et si on part plus loin encore, tu vois. Donc voilà. Dans la bike 18 là. Donne la liberté à ton intérieur de faire ça. Oh ah ouais, il va falloir que je retourne chez le coiffeur là. Cheveux noirs. Petit maquillage sur les yeux. Je vais remettre mes jeans slim. Petit collier à pic et tout là. Non, on va pas chez le Dark Decay, The Return. Bien. Il va falloir que je me rase aussi. J'ai pas de barbe. Attention, ça poume! Non, ça boume pas. Oh non! Bah non, Diablo! Ce que j'ai écrit sur le chat. Imoguaro. C'est ton Death Note. Et non, Artemis, Imoguaro. Ah, je croyais que oui. Eh ouais. C'est comme ça, on écrit Kira. Je veux voir ce Dark Decay. Ah, ok. Je suis le nouveau Kira. Après, j'aimais bien moi quand j'étais Dark Decay. Le TT. Je m'appelais pas Decay encore à l'époque. J'étais. Ah si, si sur la fin j'étais Decay. Ouais, ça vient de là d'ailleurs. Ah, dommage. Dommage là ça. Oh putain. Le petit. Il est tellement du cœur. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, mais attends, tu sais que Grim, tu rigoles, mais j'ai ma première expo comme ça, c'était une à Toulon, et j'étais en Kira, d'ailleurs. Machine Gun Kelly. Je dois avoir des photos de ce truc, attendez, je vais vous les retrouver. Il reste trois courses. Je vais vous retrouver les photos du Decay de cette époque. Le Decay de l'époque. On va voir Decay à l'époque. Quand il moi, se... Ouais, on va voir Decay à l'époque quand il avait 16 ans. Quand il se cosplayait. Quand j'étais en cosplay, mon gars. On a vu Harmony. Ah non, il y avait pas Harmony encore à l'époque. Il connaissait qui pas. Il y a toujours son sex no du tout. Je sais même pas si c'était déjà sorti Odyssey. Galaxy. Si, c'était peut-être à l'époque de Galaxy d'ailleurs. Bah on saura jamais. Hein. Pourquoi? Ouais, y a pas de souci, Grim. Et regarde-le dans les yeux, s'il te plaît. Et dis-lui que tu l'aimes. Regarde Diablo dans les yeux et dis-lui. Diablo. C'est toi. Si tu perds, je t'offre un sub. Oh. Diablo, cette fois, si tu perds cette course, je sub. Moi, si tu gagnes la course, je sub. Je ne sub pas. Alors. Non, par contre, c'est est-ce que j'arrive à trouver ça? Alors, du coup, là. Oh, j'ai failli t'avoir, Diablo. Ça. Alors. Le Dark Decay. Coucou. Par l'époque.
Ah, il y a Kera qui se... Il y a le nouveau Kera sur le live de Diablo. Ah, la petite banane surprise. Comment ça, pourquoi ça, attention, Livan, c'est grim. Moi aussi, je l'ai Death Note. Tu vas rien faire. Il va rien faire, petit gris. Moi aussi, je l'ai Death Note. Sauf que je ne sais pas où je l'ai planqué. Je sais plus où je l'ai planqué. J'étais avec elle en plus. Oh. Et on était attachés avec une chaîne. Oh, non, mais t'as fini. Oh. C'est quoi ça? Ah, mais oh. Non, sérieusement, petit Grim, j'arrêterai pas. J'arrêterai pas avec ma manière d'écrire Kira. Oh non, je l'ai pas vu. Kira, attention, c'est trop bien ce perso, on rigole pas avec. Si, j'ai rigolé avec. Il faut rigoler. Il faut rigoler dans la vie. Là aussi. Ok, j'en ai retrouvé deux. Oh Diablo. Je vous montre après. Oh non. Peut-être. Si vous êtes sage. Oh non, bébé Harmony, t'as dépassé. Vas-y, je reprends la tête, Diablo. Tiens, Diablo. On va compter sur toi. Oh, vous êtes trop loin en fait. Bah en même temps, t'as fait une petite pause. Je sais pas où t'étais. On va compter sur toi. Il y a toujours trop de monde. Eh oui, 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 il y a du monde. Oh, vraiment. Alors, du coup, ça donnerait quoi? J'entends plus le Diablo, là. Diablo! Capture de fenêtre. Ah! Je parlais de... Je disais... Donc, ça veut dire, je vais... Quand j'ai dit bonjour à Grim tout à l'heure, il m'a pas entendu. Ça marche pas? Bah non, depuis tout à l'heure, on t'entend pas. Bah, excusez-moi, alors. Je pensais même que t'étais plus là. Ouais. Si, je suis toujours là. Excuse-moi, je te redis bonjour, petit Grimship, comment tu vas? Excuse-moi. J'avais le micro coupé, j'avais pas vu que j'avais le micro coupé. Et sinon, pas trop d'aigle. C'est un petit peu. Oh, regardez, des cailles, des coques. T'as passé une bonne journée, petit Grim? Bon, allez, on va être gentil, ça va et tout. Bah, ouais, ça va. J'avais même une pomme, je vous dis pas l'état de la pomme à la fin de la journée. Tu vas être gentil parce que Dekay te l'a demandé. T'es lequel là, Dekay? Le Death Note. Tigrim, t'es un Kira aussi? Et la pomme, je te dis pas son état à la fin de la journée. Il en reste deux, ok. Il reste celle-ci et l'autre. Et en vrai, tu serais passé pour un film. Pour un? Vas-y. Tu serais passé dans un film. Dans un film, vas-y, va au bout de tes pensées, vas-y. Bah, pour si jamais ils faisaient un film sur des skis. Tu peux être Team L. T'étais pieds nus? Non, j'étais pas celui de droite, j'étais celui de gauche, moi. Mais ouais, mon collègue, il était pieds nus, ouais. Moi, j'étais Light. Pas L. Moi, j'étais Kira. Attends, c'était qui, Kira? C'est Light. Hein. Ah, c'est elle, ouais, c'est Kira. Non, c'est Light, Kira. Non, c'est Light, Kira. Ouais, donc c'est ça, j'étais bien Kira. Bon. Attends. Pour tous ceux. Bah, je te remontre après la course. Oh, j'ai envoyé ça où? J'ai envoyé ça nulle part, je l'ai montré en direct live, Artemis. Mais okay. Je te le remonte après, si tu veux, à la fin de la course. Non, parce que j'ai pas les mots là. Qui d'entre nous tous a détesté le live action Netflix de Death Note? Ah, moi. J'ai même pas regardé, tu sais quoi. Moi j'ai détesté. Il restait quand même meilleur que celui de Dragon Ball. Mais je te remets Artemis, oui, après, je le remets, t'inquiète pas. Non, je préfère la classique. Je préfère les live action des slots classiques. Se faire au Japon, bien évidemment. Et Dragon Ball Evolution, c'était de la vraie dose. Celui de Net. C'est bien Dragon Ball Evolution, le banger quoi. Je profite pour en parler. Ah, il y en a. Oui. Pour le coup, j'ai préféré le live action Netflix que le Dragon Ball Evolution. Oh. Il y a eu un live action Dragon Ball? Ouais, Dragon Ball Evolution. Ouais,
Version américaine. Non, non, mais ouais. Tu as dit Netflix. Ah non, pardon, il y avait un truc Netflix dans Dragon Ball? Non. Non. Tu as Death Note. Death Note. Oh, vous m'avez tout plié. Tiens, Artemis, est-ce que tu es là? Artemis, es-tu là? Es-tu là, Artemis? Voilà. Artemis, es-tu là? Si tu es là, tu dis deux fois d'écaille. Hop. Attends, non, c'est trop zoomé là. Voilà. On te prendrait vraiment pour lui. Hein. Putain, quel con, je suis sur la coupe pierre alors qu'elle est même pas sortie. Pourquoi ça change pas de photo? Ah, parce que hop, et là. Bon, allez, la dernière course, et après. Ça voilà. Te va tellement bien. La dernière course, c'était après quoi? Et après, bah, ça m'en est. Yakira, youpi. Vas-y, moi, c'est la dernière, après, moi, j'y vais, moi. Ok. Yes, mode. Attends, il y a bien plein d'autres photos, attends, faut que je les prenne. Parce que ça, c'était à la Chibi. Non, c'était à la Mangazur. Et... Mais c'était mieux parce que j'avais fait la Chibi avant. Ton jeu de la mort favori, Tigrim. Oui, c'était moins bien la Chibi. Quel est ton jeu de la mort? Ah oui, le temps il passe vite. Au Shinigami, si tu préfères. Ah, la Chibi, j'ai pas de photo sur ça. Ah non, la Chibi, non, j'étais pas comme ça. La Chibi. Eh, tu te calmes, Ilia? Ou Stéphane? Le temps passe vite quand on discute avec vous. En même temps, délire. Ça délire quoi. C'est un petit délire. Ah ouais, tu trouves Kyo? Ah ouais, bah, Ryuk avec ses pommes. Let's go. Hein. Ryuk est hyper fan de pommes. Surtout les pommes rouges là. En plus, c'était costumé à l'arrache parce que j'avais pas de. J'ai pris des vêtements qu'il y avait dans mon placard quoi. J'avais pas acheté de vêtements spécifiquement pour le truc. Donc... Ça aurait pu être plus poussé, on va dire. Mais ça semblait bien pour la coupe de cheveux parce que j'avais à peu près la même que lui à l'époque. Donc... Non, mais tu ressembles en tout point. Kira. Tu lui ressembles en tout point. Hein. Donc, tu avais la petite mèche. T'avais la mèche au centre de son front là-dedans? Ah ouais, moi j'étais un méchu à l'époque. Maintenant je suis un chevelu. Mais avant j'étais un méchu. Maintenant si on fait un live action c'est tout. Eh bien merci. Merci pour mon mois de l'époque. Salut FL Pomme. Où vas-tu? Eh Diablo, faut pas faire ça. Est-ce que je te punis ou pas? Diablo, t'es vilain. Faut faire ça, Diablo. Je vais te punir hein. J'ai pas le choix. Ah, je peux plus te punir. T'as de la chance. Hein. Tu peux dire merci à Papa MK. Viens, on pète tous les deux. On pète tous les trois. Ouais, main dans la main. Main dans la main. Let's go. Pourquoi tu voulais me punir? J'ai pas compris. Parce que tu m'as doublé. Oh. T'es l'innocent. Oh, un écho. Vous n'avez pas le droit de. Comment je peux vous joindre? C'est. On finit sur ça, FL Pop. C'est. C'est fin de soirée. Peut-être une session si je suis encore chaud. Ah bon, peut-être que c'est pas la dernière. Mais en tout cas, si tu veux m'ajouter, comme ça au cas où, si c'est pas la dernière. Attends, est-ce que c'est allumé? Brigitte, donne le code ami. Brigitte, donne le code ami. Non, elle est éteinte. Attends, je te donne le code. Diablo, on a le même score. Je récupère le code. Le même score. Bravo, on va voir si le Diable renvoie une session. Alors Diable, est-ce que tu veux jouer dès que tu veux continuer à jouer? Moi ça va, si on se refait une session ça me dérange pas. Du coup FL, okay. Si tu veux nous rejoindre, ajoute-moi maintenant. Comme ça tu l'as dès le début de session. Parce que, attends, je regarde. Ouais, c'est plus le tournoi, j'avais mis tournoi, j'ai pas changé le titre mais le tournoi est terminé. Sinon, qu'est-ce qu'il y a Souvent, tu oublies de changer le titre. Ouais, ça c'est du surf, ça on s'en fout le surf. Oh, vous montrer des cas sur un surf, ça sert à rien. Oh, de toute façon, je sais pas faire. Pomme. Avec en maillot. Ouais, je pense. Non, attends, c'est pas maillot gros, c'est tenue de surfeur. Quicksilver et tout, quoi. Ouais, je pense que je vais faire, c'est que si tu continues, Décaille, je vais te laisser prendre la relève. Ah, tu t'arrêtes là?
Ouais, je vais. Ouais. Tu vas reprendre la relève. Tu veux continuer à jouer? Vas-y. Ouais, je vais faire une session à 8 courses. Yep. Y'a voilà, des gens qui veulent faire 8 courses. Donc attends, la room elle va se casser puisque c'est du coup moi qui l'avais créé. Ok, je recrée une room. Mmh. Allez, vite voilà. Fait. Ça c'est dommage. Non. Ah bah il faut bien partir un jour. Non, ce que je veux dire c'est que la room elle casse si l'autre il part. Ouais bah après c'est normal hein, je trouve. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui devienne l'autre. Par des hop, voilà. Ouais, ça aurait pu être ça. Ouais. Mmh. Vas-y bah les gars, moi j'y vais. Ciao. Ça va, bonne soirée, bonne nuit. Bonne nuit. Merci bon pour soir, ce soir, à bientôt. Yep. A plus. Eh oui, moi je vais y aller. Je m'en vais. Bye petit Diablo. Je vais y aller moi. Et il s'en va jusqu'on arrive. T'as encore besoin de ton avocat, je suis encore. Ça va quand tu arrives. C'est pas beau ça. Y'a ta meilleure amie qui est là. Ouais, y'a la super copine, mais là, la super copine, elle va dormir. Oh, y'a Artemis. Ouais, mais excuse-moi, mais la super copine Artemis qui est remplie comme ça, elle a peur de venir. Le Pokémon légendaire Artemis est là. Pokémon, il faut se calmer. On est des gentils, nous. Oui, je sais, vous êtes gentils, mais bon, ça fait beaucoup de monde quand même. C'est bien les cheveux Milon aussi, putain, c'était cool. Pourquoi on fait les coupes Milon comme ça? C'était chiant à Artemis. C'est chiant à coiffer. Sanji. Je me disais bien aussi. Artemis. T'as raté les voix de Mickey tout à l'heure. Hein. Ah bah les voix de Mickey. Ouais, t'as raté les voix de Mickey. Mickey quand même. Mickey quand même pris trop de champignons. Allez. Bon bah sur ce. C'est ça. Des bisous à vous. Merci. Des bisous les diables. Des bisous Diablo. Des bisous Diablo. Diabolo. Merci à vous. Vous savez, j'ai quand même une très bonne raison de pas avoir été là directement. Je joue à Zelda. Tu joues auquel? Ouais. Link's Awakening? Oui. Cool. T'en es où? Ah pardon, pardon, j'ai pas lancé la course. Je suis désolé, je suis un connard. Du coup, DK, j'en suis au temple du masque. C'est lequel de temps tu as en termes de chiffres? Le numéro 6. Ok. Oh, ça va, t'es sur la fin presque. Oh. Ouais, mais j'avoue que j'étais bloqué pendant un moment, mais vraiment pour des trucs à la con. Mais c'est toujours des trucs à la con. Oui, effectivement. Toujours. 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 Mais du coup, maintenant, j'ai le truc, le bracelet pour soulever les éléphants en pierre, là, donc je peux commencer à avancer. Voilà. Laisse que je me coupe les cheveux. J'ai eu un bug. Coucou le raid, comment vous allez? Ce que j'avais fait. Bienvenue chez Decay, il est sympa mais il ne me paye pas suffisamment. Et coucou Diablo underscore XXV, comment vas-tu? Coucou Diablo 25. Le raid dans lequel je suis. Merci beaucoup pour ton raid, c'est cool. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu étais sur quoi? Juste avant de raid Diablo, quoi, Diablo underscore XXV. T'étais sur quoi Diablo? Trop marrant. En tout cas, c'est super cool de ta part et bienvenue à toutes les personnes qui viennent du live de Diablo underscore XXV. Vous êtes. Bienvenue au raid. Underscore. C'est parce que ça s'est bien passé pour vous. XXV. MK8D, ah ouais, je connais ce jeu, ouais. Moi, je connais pas, ouais. Il est bien, il est pas mal, je crois. Il est banger, je crois. On m'en a parlé. Attends, je baisse le son. J'ai pas entendu, Artemis, tu m'as dit quoi? Connu ça comme jeu, parce que moi, ça me dérange. Ouais, il paraît que c'est connu. C'est pas trop mal, il paraît, ouais. Ah bon? Ça va, il est cool. Voilà, ouais, j'ai entendu ça aussi, ouais, qu'il était cool. J'hésite à l'acheter, mais après, je connais pas trop. C'est le 8, donc c'est que ça doit pas être trop mal, quoi. Dire que les 7 premiers étaient bien, quoi. Si on fait 8, c'est que les 7 premiers sont bien, quoi. Ça aurait pu être le 42. Et du coup, je sais pas si tu connais, moi je suis en train de jouer à Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch.
Je sais pas si tu as la console, mais si ça t'intéresse de si jouer avec nous, quelqu'un m'a ajouté en ami. Point d'exclamation CA dans le chat et comme ça tu peux venir jouer avec nous. Le chat, arrête de marcher là-dessus. Hé, mais c'est insupportable. Je fais des tournois tous les samedis pour gagner un jeu. Ouais, en plus samedi prochain, je fais un tournoi sur ce jeu-là si jamais. Ça aurait été bien, mais non. Ouais, c'est pas tous les samedis parce que en vrai. Bienvenue. Je gagne pas assez de sous. Ah, super, merci pour ton follow Diablo underscore XXV, merci beaucoup. Merci pour ton follow Diablo underscore XXV. Je vais te follow aussi, comme ça je pourrais venir voir ce que tu fais un peu. Moi, je trouve que ça fait plaisir de découvrir de nouvelles personnes comme ça, des gars, je trouve pas. Ouais, mais moi je trouve ça cool parce que du coup ça rapproche et tout. Peut-être que même un jour on va se rencontrer. Peut-être qu'on pourra se rencontrer IRL. Tu vois, je vois déjà tellement de choses qui peuvent s'écrire entre toi et moi, Diablo underscore XXV. Toutes les valeurs qu'on aime. J'ai envie de me fumer. Bizarrement, pour les nouveaux, DK il y a bizarrement très poli. Ah bah attends, c'est important. Parce que regarde, tu vois, je suis poli, j'ai eu un follow quoi. C'est important. Ouais, arrête, ma fille sursauté, je m'étais endormi. Oh merde, Kyo, désolé. Désolé, Kyo. Tu peux te recoucher, s'il te plaît. Est-ce que tu veux jouer, Kyo? Une violence. Donc, j'y run pour au final tout ça. C'est la loi de Mario Kart, Pomme, tu le sais. C'est comme ça. Excuse pas. Ah ouais, mais après Kyo, techniquement c'est pas ma faute, hein. C'est la faute de Diablo underscore XXV qui a fait un raid. Il aurait pas fait un raid, tu serais pas réveillé. Pourquoi on est content, on est bah, content. Ça s'appelle comme ça, Diablo c'est underscore. XXV. D'ailleurs elle s'appelle Kyo underscore Lee. Mm-hmm. C'est comme ça que ça s'appelle. Et là c'est MJ underscore underscore. Dégueu, pour les gens comme ça il faut dire le tiré du bas. Ah, tirer du bas, c'est vrai, tirer du 8. Et merci Gekuga 45 pour ton follow, merci beaucoup. Bienvenue. Ce soir, on a particulièrement beaucoup de follows, ça fait plaisir, franchement. Ouais, ça fait plaisir, là. Ça, c'est, tu étais chez Diablo underscore XXV, Gekuga 45. Oui. Oui, DK, j'étais sur son live. Il fait des bons streams. J'étais aussi sur son live aussi au passage. Bah, du coup, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la chaîne de Diablo underscore XXV. Apparemment, c'est un gars cool. Je pense que je vais lui faire un SO parce que des gens comme ça. Ouais, merci, assistante Artemis. Merci beaucoup. Doréa, patron des cahiers. Arrête, tu vas le faire kiffer là. Faudra qu'on parle de mon augmentation parce que là ça commence à. Ah, alors ça faut voir avec la comptable. Ah, des cas. La comptable qui est Mamako Ar. C'est pas celle-là. Quoi? J'ai pas entendu. C'est Bouy, il me l'a dit. Premier degré, Ivan, non, je suis pas payé parce que c'est pas le but que je sois payé. Le but, c'est de les aider, voilà. Ah. Mais elle a eu un beau cadeau quand même, je crois. Hop, J'ai eu un cadeau magnifique pour ma réussite d'année, franchement, c'est incroyable, bande de malades d'ailleurs. Je vous aime. Comment Ivan, Papinaï. Ah mais c'est cool, tu l'as un peu feuilleté du coup, enfin tu l'as... Oui, je l'ai même montré à Fendi. Elle l'a même feuilleté cool. Avec moi. Ouais. Oh. Hop. Ça va papy, est-ce que t'es opérationnel ou est-ce que t'es d'équerre? Est-ce que t'es torchon chiffon carpet? Ouais d'ailleurs, bonsoir papy. Est-ce que tu tiens debout? Est-ce que tu me vois? Tu m'entends? Pourquoi si je ne te verrais pas? C'est ça parce, que... bah, parce qu'il pourrait avoir la vision troublée. Ah, ça me trouble. Est-ce que ça veut dire qu'il est appelé? C'est pas impossible. C'est la question que je pose sans la poser vraiment, quoi.
Ah si, tu sors d'un festival de métal, du coup t'as dû boire quelques binous. Quand même. Ouais, c'est sûr. Mais, ce mot il me fume quand même. C'est obligé. Binous. Oui. Oh c'est mignon, binous. Tu vas faire la bibine. Mais c'est marrant, fait, genre, je sais pas si c'est le marrant en fait, binous. Bah ouais, ça, c'est parce que c'est mignon quoi, c'est, ça te donne envie, bah oui, mais... Léonore, petite binous. C'est pas méchant. C'est drôle. C'est... Bah ouais, c'est ça qui est bien. Je marche sur les murs. Ok, pourquoi pas, c'est un concept. Ouais. Et ben bon retour, papy. Bon retour, papy Niao. Tu sais, des cas niveau artbook, j'ai même montré notre artbook de qualité à Kyo hier soir, parce que j'ai appelé Kyo. Tu as montré quoi? Devine quel artbook vous aurez pu lui montrer. Je connais pas tous les artbooks que t'as, mais... Ah oui, et de Amour Sucré. Bah oui, évidemment. Ça te paraissait pas logique. Bah si, c'est pour ça, il m'a fallu juste quelques secondes de réflexion, mais oui, c'était évident. Mais sinon, des artbooks, j'en ai pas tant que ça. J'en ai 4 sur les films de Miyazaki. Celui que vous m'avez offert et sur Amour Sucré. Tu connais pas MJ Amour Sucré? Attends, MJ, s'il te plaît, Amour Sucré, MJ, quand même. Pas Amour Sucré. Attends, pas Amour Sucré. T'inquiète, on fera un live bientôt. C'est pas mon truc. Hein. C'est un jeu trop bien, Amour Sucré. Ce jeu de légende, là. C'est à connaître, absolument. D'ailleurs, Livan, bravo, c'est très bien que tu vois. Oh. Amour Humanité. Tiens, Karma. Un jeu, mais encore. Je pense que Artemis et Kyo sont plus à même à t'expliquer. Kyo, j'ai pas utilisé. Artemis et Kyo. J'ai Kyo, peur de ne pas utiliser les bons termes. Vas-y, fais la première pour le 2. Let's go, Kyo, s'il te reste un peu de force à travers tes deux sommeils pour expliquer à MJ ce que c'est. On refait la même course, là. Oui, oui, c'est pas comme ça. Ça, c'est le destin, quoi. J'ai failli décéder. Pardon. C'est le décès. Je suis désolé MJ, je me suis acharné sur toi, ce n'était pas voulu, je pensais que la deuxième ne serait pas pour toi. En fait, Ivan, je suis en train de jouer à Zelda, et du coup j'ai failli mourir. Prends ton temps Kyo, prends ton temps, on n'est pas pressé. De toute façon MJ elle est in-game là. Link's Awakening, mais je joue à la version de Game Boy. En coop, on peut faire ça en coop Diablo? De quoi? Amour Sucré. Amour Pimenté. Selon c'est dire. Bah, vous streamez dessus en même temps. Et vous faites un voc. Et voilà, ça fait de la coop. Ouais, ça peut, oui. On va voir comme ça. Amour Pimenté. Ah non. Yo, te lève pas. Attends, c'est pas grave. Hein. T'inquiète, j'essaie de faire une description moi-même, hein. Je vais pas te lever et te faire chier pour ça. T'inquiète. Oh oui, viens, Dekay. Où tu veux que je vienne, papy? Viens là, mon grand fou. Viens là, grand fou. Oh non. Oh, Brandon. J'ai laissé la clé de la salle de classe dans la salle de perm. Oui, Kyo. Tu allais la chercher. Mais je suis sur Amour Sucré, papy. J'ai déjà commencé l'aventure en live. Oui, cette semaine, c'est passé beaucoup de choses depuis ton départ. Papy, j'attends toujours parce que je dois t'avoir dans ma liste de copines et que tu ne m'as toujours pas accepté sous mettre de compte. C'est scandaleux, franchement. Tu me déçois. C'est scandaleux, papy. Le scandale décevant. Ta liste de super copines. Mais oui, ma liste de super copines. Alors du coup, est-ce que j'ai encore des photos de Light? Non, Light, je crois que j'ai plus rien. Je vous ai tout montré. Il n'y avait pas beaucoup de photos à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui. En gros, Amour Sucré, c'est un jeu de drague et de vie avec des personnages ultra beaux et dans lequel tu choisis quel crush tu vas draguer. Ils ont tous une histoire qui leur est propre et tu apprends à les connaître au fur et à mesure des épisodes tout en suivant une histoire. Les élus sont incroyables, MJ.
Oui, les Zulus sont magnifiques, mais MJ, c'est pas, ça semble pas qu'il y ait un jeu de drague. Il y a un scénario qui est quand même un peu plus poussé que juste un jeu de drague. En fait, il y a la prévention pour plusieurs choses. Il y a même des trucs qui sont vrais, enfin des facts qui sont vrais en termes d'histoire de l'art et tout ça. Et je vais te montrer une illu. Je vais mettre le lien d'une illu qui est très belle, mon illu préférée. Encore cette map? Bah non, on l'a pas fait. Bah si, on y a joué un soir une fois. Mais encore. Retourne dodo, mais bien sûr que tu peux retourner dodo, Kyo. Attends, il fallait pas te lever pour ça. C'est de ta faute. Hein. Non. Je suis désolé. Désolé Kyo. Pardon. Excuse-moi Kyo et Tommy, trop bien, repose-toi bien. Et que repose-toi. Je me suis complètement retourné. Je suis totalement à l'envers. J'ai la tête par-dessus les épaules. MJ, je suis encore désolé, c'est encore moi qui tire dessus, mais c'est pas voulu. Genre, je suis là, j'ai une carapace dans la main, et puis pouf, c'est toi devant moi. Mais c'est tellement pas voulu. Je suis désolé. Preuve à la pluie. Mais je suis désolé, je voulais pas deux fois du coup. Mais c'est pas voulu papy, je tire sur Marjo, regarde, j'ai encore tiré sur Marjo, je suis désolé. Voilà, c'est pas voulu. Ils sont trois devant moi. Ils sont trois. Je tire, ça va sur Marjo. C'est pas ma faute. Je fais pas exprès. Oui, alors oui, dans ce sens-là, on peut dire que c'est ma faute. Mais je voulais pas. Promis, Marjo, je suis désolé. C'est sincère. Ouais, c'est ce qu'on dit. Faut pas m'en vouloir. Tellement. T'as l'impression que Livan il fait une contre-soirée. Ouais. Et merde, quelqu'un m'a dépassé. Oh. Bah ouais, c'est assuré. Alors je suis une deuxième. Pourquoi je me fais maltraiter par une fille? Ouais, je sais, MJ. Du coup, je me fais pardonner. Je dis que c'est peut-être que... C'est son destin. Hourah! Corps. C'est pas vrai, c'était. Je peux sortir la même, hein. Pourquoi tous les bis sont habillés en noir et notamment ils sont habillés en noir, les mis? Ah bon? J'ai pas fait gaffe. Bah écoute, je sais pas moi. C'est peut-être moins cher. Ou c'est peut-être le truc de base, non? Peut-être que c'est noir de base. Honnêtement, c'est une bonne question, Diba. Non, c'est dans la fabrication du nid. Changer la couleur. Ouais. Mais, oui, je sais que tu peux changer la couleur, mais peut-être le noir, c'est le truc de base si on est tous en noir, non? Peut-être. Enfin, moi, je sais que je me suis pas fait chier à faire le nid, quoi. C'est parce que vos remis sont trop dark dans la vie.
Ouais, ils sont trop dark en fait. C'est pour ça, ouais. C'est une bonne explication, non? C'est une bonne... Moi, ça me va. Moi aussi. On va dire ça. Hein. Et ben voilà, let's go. Merci Artemis. Doria, toujours là pour rendre service. J'allais dire une phrase sur MJ, mais elle est bizarre, je crois. La phrase ou MJ? Ah ouais. Ça se trouve, c'est les deux. Elle était facile, celle-là. Un peu trop, si tu veux mon avis. Ouais, ouais, ouais. Tu as dit les deux. Tu as dit les deux. Bébé Momo. Oh, on m'a volé mon étoile. Ouais, ça me va aussi. Ah oh, bah, c'est parfait ça. Alors, dis-moi. Bah voilà. Tu vas bien d'ailleurs ? Félicitations à tout. C'est ça qu'on vient à tout le monde. Là, c'est miné ici, dis donc. Oh, je me suis fait dégager, genre d'écaille, casse-toi. La, ça la c'est bleue. Que c'est, la bleue elle a dit pardon, je passe. C'est quoi ça? Bah écoute, oh. Ça va aussi, ça va tranquillou. Et démonté, mais ça va. Oh le nom, ah ça me fume. En plus, c'est dégueulasse pour MJ ce que vous faites parce qu'elle est in-game, elle peut même pas se défendre en direct. Ben, il faut qu'elle vienne. Si j'avais mieux suivi, j'aurais un peu fait son avocate et moi j'aurais défendu vu que je suis là et que je peux parler. Fat Bin Abdallah. Je crois qu'elle attend la phrase comme tout le monde. De quoi? On ne dit rien alors. Qu'est-ce qui se passe? C'est une bataille. Je sais pas, ça carte. Parle de phrase, j'ai rien compris. Alors tu dis ça sur MJ, mais j'ai pas tiré sur MJ moi, j'ai rien dit. Moi j'ai juste posé une question. Non mais quand t'as tiré sur MJ. Ah dans le jeu. Ah ouais mais c'est pas, c'était de multiples erreurs. Et surtout, regarde, j'ai des rouges, il y a qui devant, il y a MJ. C'est ma faute. C'est toujours le même scénario. Des excuses, c'est tout... des excuses, toujours des excuses. Okay. C'est comme ça qu'on commence. Mais j'y peux rien, je peux rien faire, voilà, j'ai une rouge, et c'est soit je fais rien, soit je tire sur MJ. Qu'est-ce que je fais? Que vas-tu faire? Je sais pas, tu touches. Et à chaque fois, c'est pareil, depuis tout à l'heure, c'est tout le temps ça. Du coup, au début, je réfléchissais pas, je voyais quelqu'un, je tirais, et là, je me retiens, tu vois. Oh, tu tires ou tu pointes? Ben là, je garde, là, je stocke. Il n'y a pas PMK, je tire dessus, ça va aller sur MJ, tu vas voir. Et je suis pas sûr que ça l'a pas fait d'ailleurs. Je sais pas trop qui ça a touché. Bon, les enfants, je crois que je vais partir. Ok, va-t'en. Les petits nourrissons. Hein. Bien sûr, des erreurs. Mais si, c'est totalement des erreurs. Oui, oui, c'est ça, des crayons froids. Vous allez quand même pas imaginer que je fais exprès d'être juste derrière MJ pour tirer sur elle. Quand même. Si tu fais exprès. Macho. Alors, autant Livan c'est le premier à te défendre, Dickey, autant c'est aussi le premier à t'enfoncer. Mais je viens de dodge un éclair qu'il y a devant moi après. MJ.
Mais MJ. Ouais, c'est mal écrit. Pourquoi tu essaies de victimiser le joueur d'Ikei? Elle a freiné pour me mettre une rouge. En même temps, tu mérites. Hein, mais je lui ai même pas tiré dessus. Je lui ai pas tiré dessus une seule fois de la game. Là. Non, mais c'est la vengeance. Tout de même. La oui, la vengeance, je comprends. Mais c'est pour dire que voilà. Il est soft. J'ai pas tiré. Ah, vous connaissez. Attends, comment il s'appelle lui? Oui, je change de sujet. Le cochon de, le cochon de Novion Porcien. Au revoir, ceux qui m'aiment pas. Au revoir. Bonne nuit, les vannes. C'est le, c'est le cochon de Novion Porcien, regardez. Hop. Attends. Ouais. Oh, c'est quoi ça? Oh là. Oh là là. J'ai rien compris. C'est le cochon de Novion Porcien. C'est dans la. Le pays où ils fabriquent le boudin blanc. Enfin, le pays, la région du boudin blanc. Il s'appelle Voynich ou Voynich. Voynich. Ok, mais par contre, tu feras attention parce que on voit totalement le nom de ton compte. Ouais, mais si je vous accepte pas, ben vous pouvez pas voir quoi que ce soit, donc c'est pas grave. Ah oui, mais je le dis pas parce ouais, que... Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça que je le montre sans crainte que c'est privé, du coup, on peut pas me voir. Voilà, je vous revis privé, tout ça, tout ça. Ouais, je pense qu'on m'appelle... tout le monde sait que je m'appelle Dekay, tout le monde sait que je m'appelle Alexis. Non. Oh, peut-être pas tout le monde, du coup. Tu es qui, d'ailleurs? Tu es un random. Non, mais voilà, vous connaissez déjà, moi, mes termes. Non, mais c'est juste pour dire qu'il n'y a pas... Il y a pas accès à grand-chose... Et on n'est pas amis. C'est sûr et certain, ça va, mais. Ah, peut-être toutes mes photos. Mais c'est pas grave, ce sont. Tu sais bien comment est-ce que ça va, le vent. Ouais, je sais, je sais. Mais merci en tout cas de me l'avoir fait remarquer au cas où. J'ai Fouya, protectrice de la vie. On dirait le cochon dans Princesse Mononoke. Je trouve que dans Princesse Mononoke, c'est un sanglier. Mais là, c'est un sanglier, je crois. C'est un sanglier, hein. Ah oui, c'est un sanglier, c'est sûr. Je sais pas, j'ai pas trop regardé. Il avait pas une tête de cochon. Je suis sur Zelda. Ouais, j'ai dit cochon, mais ouais, je crois que c'était un sanglier, quoi. Non, c'est même sûr. Du coup, là, bonne nuit, Divan. C'est le même chez moi. Bon, c'est pas ton prénom perso. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Si je le cache pas, quoi. Même si vous connaissez son prénom de perso, vous êtes pour la PDK, donc... Oui. Parce que c'est perso, vous allez l'oublier. On sait que tu es un homme aussi. Ah oui, mais ça, peut-être que j'ai menti sur mon profil, papy. C'est peut-être un trans. C'est pas convaincu. Enfin, tu sais pas. On va dire... Je demande à vérifier. Là, j'ai pas de réponse. C'est très vérifié. Je demande la barre. Ah, papy vérifiera bientôt, apparemment. Je sais pas comment, mais... Mettez la caméra dans son pantalon, on va regarder la barre. Tu vas quand même pas vérifier sous ma robe, papy. Bah... T'es sûr que tu peux y aller, Dickel? Il est prêt. Ah ouais, moi je suis chaud à aller là-bas, totalement. Ah, mais bon, ça se fait pas de regarder sous les robes, papy, c'est pas bien. On va voir ton anatomie, là. Oh. Je pense pas comme ça, papy, franchement. Hein? Qui c'est qui va voir mon anatomie? Non, personne va voir mon anatomie. Bah, papy. Mais non, il regardera pas sous la robe du tam. Comment tu sais? Ah, parce qu'il aura enlevé, apparemment. Tu partageras les infos. Mais comment ça vous partagerez les infos? Mais Hey! Vous êtes sûr que j'ai pas d'autre défense. Hey! Hey! C'est quoi ça? Tu arrêtes de dire des trucs comme ça, hein? Pas bon en défense. Dis pas ça, d'abord. C'est pas gentil.
T'inquiète pas, Deke, je peux un peu faire l'avocate si tu veux. Tu sais faire l'avocate ? Bah, je peux essayer. Bah, ça peut être toujours mieux que moi, non ? Fais gaffe à l'avocat du diable. Sachant que je défends ma côte tout le temps, je peux tenter de te défendre aussi. Je te promets pas de la qualité de la défense, mais. Ah, vous allez faire quoi maintenant ? J'ai une avocate. Wait. Ouais. Wait. Je te promets pas de te protéger. Non. J'ai dit que j'allais faire ce que je pouvais, parce que quand je vois les cas que vous êtes, les gars... Ça va, je me sens pas concerné. Mais non, toi, Sanji, c'est différent en même temps. Et je dis ça de façon positive, ne soyez pas... Genre, Sanji, c'est différent, c'est tout. Les autres, sentez-vous viser si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Ok. Rien, juste voilà, je défends Sanji et je défends des cahiers. Voilà, d'abord. Che, poète, poutre. Merde. Non, pas ça. On a perdu Dikei. Il est mort. Non, je suis là, je suis là. Il est pas mort. Ça ? T'es où ? Ouais. Oui, tu es là. Ouais. Ben, je roule là. Oh putain, c'est plus comme ça, Dikei. Ouais. Non, mais c'est parce que là, je... Waouh. Il faut que t'aies un avocat aussi doué que moi. Attends, c'est quoi tout ça là ? Ah, je sais pas, il s'est passé des dingueries. Question. Non, je regardais un peu ce qui était visible sur mon compte Facebook en dehors de mes amis, mais pas grand chose au final, donc ça va. Tiens, yeah. Vous n'avez pas pu voir me stalk. Ça me tue, je vais te faire avoir une remise en question, du coup. Hein ? Je vais te faire avoir une remise en question là, donc. Ouais, attends, mais je vérifie au cas où, parce que j'étais sûr que j'avais déjà tout bloqué. Oh. Mais je voulais vérifier. Étant donné que je t'ai pas mis, est-ce que tu veux regarder que je te dise ce qu'il y a? Non, mais j'ai regardé, je me suis mis en nav privé, il y a pas grand-chose en fait. Il y a rien. Okay. Non, mais là, en l'espace de quelques instants, il a remis sa vie tout très bien en question là. Ouais, mais non, mais parce qu'il y a des photos de moi. T'aimes pas les noms? Mais non, mais c'est pas ça, c'est surtout que voilà, j'ai. C'est plus moi quoi, j'étais jeune, j'avais les cheveux mi-longs quoi. Ça pouvait vous choquer. Comme tu avais des cheveux. Mais on n'est pas de petite nature non plus là. Ouais mais bon là, je veux pas attirer les foules quoi. Comprends. Genre rien que moi je me suis regardé, j'ai fait waouh. Ah ouais, le mec quoi. Et voilà. On prend, ce sera un petit peu trop de pression. Alors attends, c'est pas heureux de Freebie XP pour m'envoyer des rouges. Ouais, mais c'est marrant quand même, Pomme. Parce qu'en fait, on joue juste pour le fun. Puis oh, c'est pas grave. Je partage pas des cakes, demandons-lui son accord avant papy. Ouais, je veux bien qu'on lui demande mon accord en fait. S'il vous plaît. Avocat, j'en fais du guacamole. Donc Decay n'était pas Decay alors. Si, Decay était Decay, bon, mais Decay était différent. Alors papy, on va se calmer. C'était un autre Decay. Parce que n'oublie pas que j'ai l'épée, donc c'est plutôt moi qui peux te faire qui peux te transformer en guacamole. Il a l'épée de Damoclès. Ou elle va te guacamoliser mon gars. Elle va te guacamoliser. Elle va te faire rien comprendre. Que là, si tu me dis quelque chose dans les, qui ne me plaît pas dans les 10 prochaines secondes, tu n'as pas là pendant une minute. Ah, faut que je retrouve mon truc d'Halloween. Attends. Ah, c'était trop bien ce truc d'Halloween. Ouais, ouais, c'est ça, t'offres du guacamole. Fais attention, je t'ai à l'œil. Et attention, ça va guacamole. Elle t'a l'œil et l'œil te tient. Mais clairement, là, j'ai interrompu ma game de Zelda à cause de lui. Donc,
qu'ils fassent attention. Bonne nuit MJ. Repose-toi bien, à bientôt, des bisous. Ciao. Ciao, ciao. Ah, mais c'était peut-être pas sur ça. Ah, c'est peut-être sur Instagram ce truc. Ah, je suis mort. Bon, tant pis. Je vais jouer, non? Plutôt. Ouais, je joue. Ouais, ouais. Je joue. Du coup, admirez que je suis convaincante et comme là, je n'ai plus rien à dire. Ouais, il dit plus rien maintenant. GG. Bah, tu vois, Nao, c'est pour ça que c'est là pour te le rappeler. C'est dit, je pars une semaine, j'oublie les codes. C'est dit, il peut plus allumer son ordinateur. Soit j'ai mal compris des cas, soit il parlait des codes de comment ça se passe ici. Ou alors c'est toi ah. qui as fait ça. Ouais, c'est peut-être possible que ce soit ça. Bah, il me semble bien parce que... Il a une épée sous la gorge, carrément. Bah, tu sais ce que tu fais dans ce cas-là tu recules. Et tu t'écartes sur le côté et du coup, elle sera plus sous ta gorge, l'épée. Tu vois. Sanji, il arrive en bombe là. Ah, c'est il arrive sur son 500 Yamaha. En Y. Tu m'as foncé dedans. Oh non, la bleue qui me schlasse. Ta schlasse. Ah, c'est toi qui avais raison, Artemis. Pour les codes. Ah, il est cool. Et après, ça m'étonne pas parce que moi je comprends bah, rien. Donc, désolé, mais chacun ses problèmes, ok. Bah ouais, mais déjà que je suis nul, en plus tu me mets des pièges. En fait, déjà, oh là, je pense ça, que j'ai découvert l'emote de Mamako, là j'ai pas la ref, oh, j'ai pas compris. Ouais. Ou plutôt, je comprends pas. Ouais, si c'est un truc que t'as pas compris sur le moment, bah c'est mieux de mettre j'ai pas compris. Ouais, peut-être, ouais, t'as pas tort. Je suis un peu la voix de la sagesse. Hein ? À qui veut l'entendre ? Ouais. Oh le pépou. Qu'est-ce qui c'est qu'est-ce qui fait contre toi. Ah c'est toi. Ouais, je m'étonne pas ça. Je m'étonne pas. Course poursuite Condé, ça fait brum brum brum. Vroom vroom. C'est rigolo de regarder les vieilles photos de temps en temps. Ça dépend lesquelles. On se remémorer son époque. Bah, celles qui sont cool. Il y a des photos de moi, j'aurais préféré ne pas retomber dessus. Ah. Moi aussi. Quand je vois les coupes de cheveux que j'avais, je me dis mais j'étais perdu dans ma vie en fait, ou c'est pas moi. Oui, moi aussi j'ai eu des périodes comme ça, mais c'est pas grave. Et du coup, bah, moi je sais ça, que je m'assume. Bah finalement, je le ferai plus ça. Moi, bon, bah, ça va, tu sais pourquoi? Je me dis bah je l'ai subi à l'époque, et bah let's go. Je kiffais à l'époque, oui. Et bah tant mieux. Après, oui, je kiffais à l'époque, je sais que maintenant, à cette heure-ci, je le ferai plus. Bah alors t'as peut-être fait des dingues alors. Qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est juste que ça m'allait pas. Je me dis
Sur le moment, je me disais waouh. Ah, je suis un beau gosse là. Ah ouais, je suis trop beau gars. Ah, je suis un BG là, petite. Et après, petite lunette. Est-ce que tu avais des lunettes? Petite lunette de soleil, t'avais toi, non? Non, en mode un petit peu fashion, je te vois, non? Tu te vois bien un petit BG fashion, quoi? Non. Non? Ah. Non. Oh. Ah non. Je savais même pas comment définir mon style à l'époque. Peut-être l'US. Non, il n'existait pas. Ah, merde. Eh oui. Peut-être l'US de l'époque. Non, parce que je suis dormir, 5 heures de route plus un festival, j'ai mérité mon repos, les amis, c'est pas faux, je pense, mon cher papy. Du coup, je te souhaite une bonne nuit. Évidemment, bonne nuit, de doux rêves également prolongés d'un certain réveil agréable ainsi que d'un petit déj de remise en forme demain matin. Bisous. Il vous souhaite bonne nuit également. Merci. À vous le VOC. Merci. À vous les studios. Merci, bonne nuit. Oh bisous. Et si t'arrives des coups. J'ai reçu une petite bombe bio. C'est vrai, ça a été bio. Tout se passe bien. Ah oui, Papinao, il a mis une vidéo sur Insta de son concert. C'est pas la première fois que tu la mets au même endroit, hein. Purée. Oula. Sorti de son contexte, cette photo, cette phrase était bizarre. Oh, c'est bon, toi. L'anneau de pouvoir. C'est mon prince, je... Oh, j'ai une photo de mon Mario Kart Wii U. Ma première victoire en online. Ils étaient comment ? C'était le 1er juin 2014. C'était ma première, ma troisième course online et ma première victoire. Et c'était sur la prairie Meumeu. C'est incroyable. Encore, on la retrouve. C'est pour ça que j'adore cette course en fait. Au fond de moi, elle représente ma première victoire. Oh le vilain! Oh il a fait une fête! Non mais j'arrête pas de prendre les voitures là, je sais pas pourquoi. Oh non! Ok c'est bon. Ouf! Non mais c'est trop. La crise cardiaque. J'ai un écho. Décaille. Oui. Tu viens pas de chez toi des fois. Je crois pas, non. Je t'aurais pas poussé des fois. Non, parce que j'entends aussi un écho. Vous l'entendez, hein. Ah ouais. Aïe. Il faudrait voir sur Discord qu'est-ce qui s'allume quand vous entendez l'écho. Je sais pas, je conduis. Oui, mais moi aussi, justement. J'ai conduite. Je peux pas jouer à Zelda.
Juste trop occupé pour regarder. Oh, Dekai. Oh, tu m'as tapé. T'es encore tapé. T'es encore tapé, incroyable. Ah, c'est horrible. Ça fait deux fois que je te fais le coup. Bah ouais, c'est chiant. Je confirme, c'est pas le cas. Ah, du coup, j'ai la photo de quand j'ai acheté ma Wii U. En pack premium Mario Kart. Oh. Je viens de faire une disparition, voilà. Bah dis quand tu pars, au moins. Oh, et là je regardais le Roi Lion 2 avec une Ben & Jerry's Cookie Dook. Ah, oh, le moment. C'est bon choix, DK. Ah ouais. Je prenais beaucoup de photos de moi quand même à l'époque, c'est un peu de teinte. Hein. C'est à qui cette verte de base? Je sais pas. Je l'ai lancé. Plus de batterie. Ah, Panuka n'a plus de batterie. S'agirait d'aller dodo? Eh ben, s'agirait que je te dis la même chose, Virtu. S'agirait d'aller dodo? N'est-ce pas? Virtu. Hein? Virtuose. Hein? N'est-ce pas? Hein, monsieur? Oui, oui, oui. S'agirait d'aller dodo. Oh, la verte qui a rebondi 50 000 fois avant de te toucher. Oh, mais la 50 000 fois. Rebondi 50 000 fois avant de me toucher. Je l'ai envoyé, on était dans l'autre virage. Et non, ça va, Sanji Ouais. S'agirait que j'y vais, moi. Comment tu m'as dit? S'agirait que nous aussi, on va y aller une fois qu'on aura fini notre session. Qui dure 8 courses, mais sachant que je ne sais pas à quelle course on est, je peux pas exactement te dire quand est-ce qu'on va partir, s'agirait. Oui, bah, t'as des champignons. En tout cas, des bisous, Virtu. S'agirait de faire une bonne nuit, et avec des beaux rêves. S'agirait. Papa MK est sorti de nulle part. Sorti de nulle part, il doit le dépasser. Quoi. Venu de nulle part. Oh, mais c'est bien, Sandy. Oh là là. S'agirait qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas plus Kyo en plus, donc s'agirait que j'aille vite en... Oui, elle est partie, ça fait un petit moment Kyo, ouais. S'agirait que bonne nuit toi aussi, ouais. Bonne nuit, virtuose. Qu'est-ce que ça... Ah, ok. Peu
pas de soucis, Papa MK, t'inquiète. No problème. No problème. Autour de la terre. Et bah alors, il y a personne qui arrive à faire 5 mètres. Hé, j'avoue. C'est trop. Attends. Oula, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai balancé la roche bien avant pourtant. Mais je me suis pris un boomerang. Quel moment? Bah je sais pas, enfin ce qui m'est arrivé c'est que je me suis pris un boomerang. Et je me suis pris une banane, qui celle de ton premier tour aussi. Je l'ai pas vu. Elle avait disparu de mon radar. Oh putain, j'ai jeté une carapace verte qui a tapé sur le poteau d'arrivée et qui m'est revenu dessus. Et une deuxième que j'avais lancée un peu plus tôt et qui vient de me retenir dessus. Qu'est-ce qui m'arrive des fois? Ça sert à rien de bien lancer vos trucs en arrière, hein. Je suis beaucoup trop loin en fait. Donc en fait ça sert à rien. Moi je vous le dis, c'est inutile. Jamais vous mourrez. Sanji. C'est une banane auquel t'es attiré. Oui. Qu'est-ce que tu faisais le 21 décembre 2010? Parce que moi, j'étais à la pyramide du Louvre. Du coup, j'étais pas très loin de toi du tout. Du coup. Moi, j'étais chez moi. Ben, je ne peux pas savoir ce que je faisais. Ah bah, c'est bien dommage. Peut-être qu'on aurait pu se croiser si tu avais fait un effort. J'étais jusqu'à Paris, j'étais venu. Ouais, j'avoue. Je suis fier de voir que tu t'intéressais à la culture, DK. Je suis pas allé dedans, hein. J'étais juste dehors. Et j'ai fait un retour. C'est scandaleux. Ouais, mais j'avais pas le temps de faire de musée. Mais j'ai fait le musée de l'histoire naturelle à New York. Ouais. Et ça, c'était cool. Le chat, mais à con de toi, arrête de marcher sur les orties. C'est pas possible, il est con ce chat. Les musées en général, c'est cool. Bah, c'est un chat, écoute. Et j'ai fait aussi le musée de l'art contemporain à New York, qui était sympa aussi. J'ai pas tout compris, mais. New York, je peux pas témoigner parce que je n'ai jamais fait, mais. Bon. Non, mais je comprends. Après, bah, c'est le seul voyage que j'ai fait. Bah, j'avoue que le Louvre, j'ai pas su le faire. C'est quoi que t'as pas su faire? Le Louvre. Ah, un jour, peut-être, c'est pas impossible. Bah, le jour où je retournerai à Paris. Loupé, Papa MK, et ouais. 2016. T'es allé en 2016? J'ai essayé de te toucher avec une banane, mais j'ai pas réussi. Avec une banane, quand même. En 2015, je l'ai balancé en avant. J'ai pas eu l'avant, hein. Tu m'as pris pour un truc. Et pour tout te dire, DK, non, c'est quoi? Non, mais DK. Oh, DK. Oh, DK, non. Je suis tombé aussi. Du coup, t'es allé en 2015 à Paris, c'est ça? 2015-2016, quand j'étais en coiffure. On a été au mondial de la coiffure. Oh, c'est cool. Ouais. Peut-être pas tant le mondial de la coiffure, mais le fait d'être allé à Paris,
d'avoir fait le voyage. On a fait à Disney une fois aussi, et la dernière fois que je suis allé à Paris, après c'était même pas dans le centre en fait. Ah, t'étais dans dans la banlieue? Bah, en fait, c'était pour des conventions, je suis allé à une à Versailles. Et les autres, c'était vers l'aéroport. D'accord. Charles de Gaulle, et une, c'était à Disney aussi. Dans un hôtel Disney. Oh, c'est bon ça. Ouais, c'était cool. Disneyland. Oui. J'aurais pas été dans le parc, mais c'était sympa. T'as pas été dans le parc? Bah, comme j'étais en convention pendant tout le week-end et après j'avais un examen, j'ai pas su. Mais fuck l'examen! Tu vas à Disney? Il reste combien de courses encore? Déjà que je l'ai raté, j'étais pas à l'examen le jour de l'examen parce que j'ai raté le dernier train de la journée pour rentrer de Disney et que du coup j'ai dû le reprendre le lendemain. Mais fuck l'examen! Moi et mon légendaire sens de l'orientation. Dans mes premiers degrés, j'avais raté le train parce que je retrouvais pas la gare en fait. J'étais toute seule et comme j'avais jamais été à Disney, j'arrivais pas à me repérer et je ne trouvais pas la gare. C'est gay? Oui. T'as envoyé une pépite sur Discord. J'ai quoi? Je t'ai envoyé une pépite. Ah, une pépite, d'accord, j'ai compris. T'as envoyé une pépée sur Discord. Pourquoi déjà j'ai rien envoyé. Pourquoi j'enverrais une pépée? Attends, je conduis. Ouais, on conduit. On parle pas en conduit. Faut regarder à outre. Important même dans les jeux vidéo. Aïe papa, pas cool ça, dommage. Ouais bah ouais, et du coup t'aurais pu le faire un peu, hein? T'aurais pu le faire un peu plus tard, pourquoi? Je sais pas, après visiter par exemple. Ça, j'aurais pris pièces et un truc. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ah, c'est pas con ce que tu dis. Je réagis un peu tard, mais vous savez que à chaque fois que j'entends c'est pas cool comme Sanji va le dire, j'ai une ref du Forbou qui me vient en tête. C'est qui le dit? En fait, Sanji ici vient de dire à peu près que c'est pas cool, et à chaque fois que j'entends pas cool, et ben j'ai une ref du flambeau qui me vient en tête. L'alcool, c'est pas cool. Le flambeau, c'est quoi le flambeau? Vous avez jamais vu le flambeau? Non, vous avez jamais vu le flambeau? Oui, c'est le quoi, flambeau. C'est un film? Ah, moi j'en ai compris, flambeau. Non, le flambeau. Moi en j'avais fait, compris c'est flambeau. Le flambi. Ok, il est encore plus loin. Du coup, DK, c'est une série, c'est littéralement une parodie de Koh Lanta. Ah, je crois que j'ai vu des extraits de ce machin. Ouais, avec je crois que j'ai vu des extraits. Ouais. D'accord. Et du coup, moi, il y a une ref avec l'alcool, c'est pas cool. Ok. Et du coup, quand Sanji dit ça, ça te fait penser à ça? Le c'est pas cool, ça me fait penser à cette ref, oui. D'accord, ok. Pas faux. Thank you.
Ouais, je suis trop con. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais une carapace rouge, je suis premier, je l'ai jeté devant. Pourquoi il arrive pas sur le dernier? Genre, trop utile quoi. Le grand move de PGM. Tu sais que la carapace rouge elle peut faire un tour. Sérieux? Ouais. On peut faire un tour complet sans détecter. Ouais, mais elle va pas taper le dernier, elle va. Elle peut taper le dernier s'il est en plein milieu du chemin. Ah, voilà, c'est ça, ok. Mais elle a pas de cible là, du coup, vu que je suis premier avec la lance. Non, non, elle a pas de cible. Après, il faut pas qu'elle se prenne une banane en plein milieu. Ouais, ouais, il y a beaucoup de chats qui peuvent se. Flipper. Comment ça un flipper? Il y avait un copain là. Oh non. Ok. C'était plus ma verte. Oh. Trop bien. Oh non. Non mais ça y est, c'est fini, c'est ton jeu. Et allez, gros. Il a enregistré la séquence. J'avoue, ça c'était archi moche. Et ben GG. Ah putain déjà. GG. Je prends les caisses et hop, une bleue. Je me disais, oh putain, c'est magnifique. Ouah! T'as bien attendu qu'il passe la ligne d'arrivée avant de me l'envoyer. Mais non, je venais juste de l'avoir. En fait, quand je l'ai reçu, je l'ai envoyé direct. Ah yes. Bon bah, tant pis. Bon, moi je dors pas, je dois aller à la braderie. C'est à quelle heure? À cette heure-là. Bah, à 6h30. À 6h? Ah oui, donc tu vas pas te coucher quoi, tu vas continuer à. Oh non, je dors pas. Okay. Je vais attendre. Ah oui, oui, parce que là, si tu vas te coucher, de toute façon, c'est mort en fait. Il va attendre. Tu te réveilles pas quoi. Bah. Ouais. Ah, tu dormiras en rentrant quoi. Mm. Ça va. Bon, en tout cas, merci, merci à vous pour les games, c'était cool. Merci, bah ouais, merci à vous aussi. Merci. Je souhaite. Ah, attends, je vais regarder ton truc. Oh, c'est toi tout petit. Et un plaisir. Ah, ouais, mais t'es tout petit là. Ouais, bah oui. Mais du coup, ouais. Du coup, merci pour les games. Merci pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée pour ceux qui vont pas dormir. Une excellente nuit pour ceux qui vont dormir. Et bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Bébou. Tout le monde. Oui, allez, tiens, tiens. Est-ce que tu m'aimes? Je t'adore. Est-ce que tu me gnoques? Je te gnoque même. Est-ce allez, que bisous. Tu me gnonnies? Je te gnonnie. Moi. Et ben le grib, je te souhaite une excellente nuit également. Repose-toi bien. Des gros bisous à toi. Un bon dodo. Et à bientôt également. Hop, on va cut direct, mettre petit ending, mais j'aime de trouver quelqu'un à raid là, donc let's go, on y va comme ça. Bisous, bonne nuit le chat, bonne nuit les viewers, bonne nuit à tous, merci encore pour ce soir, vous avez été fabuleux. Et on se revoit demain après-midi, vers 15h, je vais faire un petit live Pikmin 3,
Pour ceux qui connaissent pas Pikmin, j'ai vu avec Cassie qui connaissait pas le jeu, donc je vais faire un petit live pour lui présenter le jeu. Et puis voilà, si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus. Allez, des bisous. Ciao, ciao.